Cher Bob Hillier, j'ai été tellement content de recevoir un rabais de prime que je n'ai pas été le seul à sauter au plafond. Les bonnes nouvelles, ça se vit à fond. Grâce au fonds d'excédent, nous partageons notre succès avec notre clientèle. Bonsoir et bienvenue ici à Saint-Léonard pour ces demi-finales de Swiss Basketball League. Match 2 entre Fribourg Olympique qui s'était imposé lors du Game 1 et les Lions de Genève de Dragan Andrijević qui vont essayer de redresser la tête après une première partie compliquée pour les Genevois. Ce soir, petite surprise et petit ajustement dans le 5 de départ qui vous est proposé par Swiss Sport TV puisque j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Besrat Temelso, l'assistant coach du BBC Monté-Chablais. Comment ça va mon Bess? Bonsoir Florian, ça va bien et toi? Écoute, ça va. Alors je le disais, on espère qu'on va avoir un petit peu plus de matchs, une vraie rencontre sur ces demi-finales de SBL. Ça n'a pas été le cas lors du Game 1. Les Lions de Genève sortaient d'un match justement, c'était face à vous, du côté du Pommier, qu'ils avaient remporté et avaient donc moins de repos que les Fribourgeois. Est-ce que d'après toi, ce soir, ils peuvent
être au moins dans le game, tu vois, nous proposer quelque chose de plus solide que ce qu'on a vu lors de cette première partie. Effectivement, je pense qu'ils vont vouloir être en toute chose revanchards et puis montrer un autre visage que ce qu'ils ont montré dans le premier match ici contre Fribourg samedi dernier. Je pense qu'ils auront effectivement eu un peu plus de temps que entre le dernier match de notre série et le début de leur série contre Fribourg. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils voudront vraiment démarrer d'une autre manière le deuxième match de cette série contre Fribourg. Eh bien écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas, et on l'espère pour nos téléspectateurs, que ce soit sur les antennes de Swiss Sport TV ou sur la chaîne YouTube de Swiss Basketball. Vous êtes avec nous ce soir pour ces demi-finales, match 2 entre Fribourg et les Lions de Genève. Donc on voit tout le monde à l'échauffement, 6 minutes du coup d'envoi. Toi Bess, qui a un petit peu d'expérience dans ce domaine, même pas mal depuis quelques années maintenant, Comment ça se passe? On est à 6 minutes d'un coup d'envoi en train de s'échauffer. C'est quoi? Les corps montent en température, se mettent dans sa bulle. C'est quoi un petit peu là pour les joueurs individuellement? Je vais y arriver. Actuellement, ce qui se passe sur le terrain. Bah, effectivement, je pense que la plupart des joueurs maintenant, voilà, c'est quand même plusieurs fois maintenant qu'ils s'affrontent. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose de nouveau à apprendre entre les deux équipes. Je pense qu'elles se connaissent presque sur le bout des doigts maintenant. Et puis maintenant, je pense que le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera l'entame de match, ce sera l'énergie déployée. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus sur des aspects mentaux, sur un aspect mental que cette série maintenant elle va se jouer. Donc voilà, maintenant, les joueurs pourront montrer, comme je l'ai dit, du côté de Genève, un meilleur visage. Et du côté de Fribourg, pouvoir démarrer de la même manière, se baser sur les mêmes axes qui leur ont permis de s'imposer largement lors du premier match. Démarrer de la même manière, ce serait bien plaisant pour les hommes de Thibaut Petit. Quand on sait qu'ils avaient infligé d'entrée un 15-0 au Lions de Genève et pris un avantage énorme. On voit à l'écran actuellement le trio arbitral de cette rencontre avec Dennis Tozer, Kenny Jean Monod et Davide Baletta au sifflet. L'entrée des Lions de Genève qu'on va vous montrer. Ils sont en train de rentrer sur le terrain. Mladen Armus. Il y a une vraie rotation à l'intérieur avec Mladen Armus et Madden Klinger. Est-ce qu'ils sont capables d'en profiter, les Lions? Ça peut être une des clés de cette confrontation quand on voit le matos qu'ils ont dedans. Des joueurs comme Noé qui peuvent aller y jouer aussi, Markel. Ça fait une belle rotation, bien fournie. Effectivement, et puis c'est une équipe qui est aussi agressive au niveau du rebond offensif. Elle a du matériel à faire valoir, tu l'as dit très justement, ils ont Mladen Armus et Matt Ettlinger comme poste 5 principaux dans cette équipe, mais ils ont aussi cette capacité de pouvoir décaler Paul ou bien de pouvoir décaler Noé effectivement sur ces positions-là. Et l'entrée des Fribourgeois, on a vu tout à l'heure un petit peu leur brawl, ils sont rassemblés, ils mettent toujours une énergie folle là, dans le couloir de Saint-Léonard avant d'attaquer les rencontres, sous l'impulsion de Ross Williams notamment, et l'entrée de Fribourg Olympique, Saint-Léonard. Va se lever, who let the dogs out? Et le premier dog à rentrer justement, je vous en parlais juste avant, Ross Williams, premier joueur fribourgeois à rentrer, Jonathan Casady, qui avait eu un rôle primordial dans ce premier match où il avait fait beaucoup de mal sur une séquence assez courte à ces Lions de Genève. Joe Casady, c'est un vrai atout aussi pour Fribourg Olympique de goûter un joueur suisse qui vient d'être prolongé en plus, on le rappelle, de cette qualité dans ses rangs. Effectivement, Joe, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Je crois que c'est un des joueurs suisses avec Jan Blachan qui a le plus d'expérience dans cette ligue. Et effectivement, comme tu l'as très bien dit, sur le dernier match, il a fait mal. C'est un joueur qui est capable de faire mal par des séquences très courtes, puisqu'il est quand même hyper rentable sur ses minutes cette saison. On l'a vu aussi durant la demi-finale de SBL Cup contre Massagno, il les a juste foudroyés avec ses 30 points et puis aussi le fait qu'il ait appliqué ses coéquipiers. Donc effectivement, ça peut être un facteur X déterminant pour Fribourg. Le capitaine Nathan Jurkovic, c'est le top scorer de la mobilier de cette formation fribourgeoise qui finissent l'entrée des bleus et blancs. Et on va se rassembler. Les deux formations, les Lions de Genève sont repartis un petit peu sur l'échauffement. Les fribourgeois qu'on voit à l'écran ici avec la mascotte qui se rassemblent tous autour du capitaine Nathan Jurkovic. Les derniers mots. Et maintenant, 3 minutes pour tous les joueurs genevois et fribourgeois de faire monter en température leur corps, de se mettre un petit peu dans leur bulle mentale comme tu nous parlais justement tout à l'heure, Bestrat. On voit à l'écran les Lions de Genève. Comment ça s'aborde ça avec les Montezans? Vous en avez pris quelques-unes dans l'année. Comment tu gères un match en plus là, c'est de manière consécutive? T'as pris 34 pions sur ce game 1, et même si tu as bien sûr l'excuse de pouvoir te dire on a eu moins de temps à préparer, ça fait mal, ça pèse dans les têtes.
Là, les Lions de Genève, il faut absolument, je pense, un très gros, 5 grosses premières minutes, à contrario de ce qu'on avait vu dans le Game 1. Ça va être déterminant, effectivement, parce qu'ils savent que si, voilà, aujourd'hui, Fribourg prend le deuxième point, ça va être dès lors très difficile pour eux de pouvoir gagner les 3 matchs suivants pour pouvoir remporter la série et se qualifier pour la finale. Donc, ils savent que ça va être vraiment un des moments les plus importants de la série, si ce n'est le moment le plus important. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, maintenant, eux, ils doivent montrer un meilleur visage sur l'entame des matchs, les faire douter le plus longtemps possible. Je pense que c'est quelque chose sur lequel ils vont vraiment insister, de pousser vraiment à ce que ce soit un match serré jusqu'au bout, car après, effectivement, s'ils arrivent à revenir au premier avec un point et que ce soit un partout, après avec deux matchs au premier, c'est quand même une autre perspective. Ils sont un peu moins bons à prendre exact. Les derniers dunks que tente de nous claquer ici, pas pour Dylan Bickerman, le Chase Rivers Layer du Fribourgeois. On voit au loin Jonathan Cazadi, les derniers shoots donc de cette équipe fribourgeoise. Il y aura une autre demi-finale aussi, Besrat, ce sera du côté du Tessin, puisque Massagno reçoit aussi là dans un match 2 où ils ont remporté après une première victoire facile. Union de Châtel, les hommes de Mitar Trivonovic, peuvent-ils également, il y a eu mini blowout sur le premier match, peut-il également réagir? T'en penses quoi sur cette confrontation? Moi je pense effectivement qu'ils ont une carte à jouer aussi, les Neuchâtelois, dans la mesure où il y a 2 ans ils ont quand même remporté la série et puis ils se sont qualifiés pour la finale au dépens de Massagno. L'année passée effectivement ils ont réussi à remporter un match, après il y a en fait la série qui a quand même été importante, c'était quand même la suspension de Dalian Chrome qui a peut-être joué un élément important durant la série et qui a peut-être basculé du côté de Massagno. Maintenant effectivement, et c'est important pour eux de pouvoir gagner ce point-là et assurer 2 matchs à la riveraine s'ils arrivent à le faire. Et on vous tiendra bien évidemment au courant de ce qui se passe du côté de Necedo dans le Tessin. En attendant, on voit Thibaut Petit dispenser les dernières positions. On va l'écouter à ses joueurs. Il demande de mouvement de balle Thibaut Petit et de faire valoir les avantages. On va voir notamment sur les ailes, ils avaient fait un chantier pas possible lors de ce match 1. Les performances un petit peu de tout le monde, Eric Notage, même si plus discret au scoring, comme un petit peu dans les gros matchs où il a plus tendance, je trouve, à se muer en meneur vraiment organisateur. Mais tu vois, béton, je fais tourner la maison à 10 assists le match précédent avec très peu de turnover. Il se mue un petit peu dans ce profil-là, le joueur fribourgeois. Il y a du monde autour qui peut scorer. Exactement, ils ont... Bon, on dira des deux côtés, ils ont des rosters plutôt vraiment fournis en termes de quantité. Mais effectivement, Eric Notage, il a cette qualité vraiment de pouvoir, comme tu l'as dit, de pouvoir faire jouer ses coéquipiers, de servir celui qui est chaud. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est fort chez lui. Et puis je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui sera aussi quelque chose à contenir de la part de Genève. Pas non seulement ses points, mais aussi sa capacité à pouvoir bien faire sûr jouer ses autres. On verra aussi de l'autre côté, parce qu'on a parlé de l'aspect défensif. Ils avaient encaissé, je crois, 97 pions. Mais l'aspect offensif a été compliqué une nouvelle fois. On avait vu ses prises à deux, notamment au périmètre de la part des Fribourgeois. Est-ce que Robert Zinn, un peu plus reposé ce soir, peut assurer la mène? Est-ce qu'ils peuvent trouver d'autres options? Il y a des garçons comme Markel Humphrey qui me paraissent capables de remonter un ballon pour éviter ce genre de situation. On va le voir d'ici quelques secondes. Saint-Léonard se lève pour le coup d'envoi de ce match 2 des demi-finales de Swiss Basketball League. Mladen Arbus au coup d'envoi face à Arnaud Couture pour le toss. On voit le 5 côté Genevois avec Robert Dindoen, Abir Brian, Colonne, Mladen Arbus et Markel Humphrey. Et la première possession de ce match qui sera pour Fribourg Olympique. Nathan Jurkovic qui va donner tout de suite à Eric Notage qui lui remet le ballon. Et on va installer tout de suite un premier système côté fribourgeois. Ça hérite le Genève qui passe en zone. Genève qui est passé en zone tout de suite pour défendre, t'as raison de le mentionner. Et Kylian Martin, la belle sortie d'écran. Et c'est Filoche d'entrée du côté de Fribourg avec un tir de Kylian Martin à 3 points. Et Noé Anabir de l'autre côté qui va essayer de relancer ses Lions de Genève. Une nouvelle prise à deux. On parlait d'un grand et Nathan Jurkovic tout de suite qui va faire valoir en transition. Il avait été super efficace, Green, sur le premier match avec 6 points très rapides en transition. C'est à nouveau le cas. Effectivement, Nathan, c'est quand même un joueur qui a d'énormes qualités défensives, qui cherche beaucoup à deflect les ballons, comme on dit en anglais, à chercher à intercepter le ballon. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui est utile comme sur la dernière action. Et Markel Humphrey qui va tout de suite aller jouer au poste. Nathan Jurkovic bien défendu une nouvelle fois par le capitaine fribourgeois. Eric Notage pour mettre en place cette attaque qui va servir au poste Kylian Martin. Il y a le mismatch sur Robert Zinn. On préfère jouer extérieur. Nathan Jurkovic qui hérite du ballon et on va cibler au poste Brian Colonne sur Xavier Green. Et là effectivement il la ressort pour un tir à 3 points de nouveau. Et l'adresse. Deux sur deux d'entrée. Et l'adresse fribourgeoise. Est-ce que Dragan Andreevich va peut-être ajuster quelque chose en défense? Et puis on va voir. Il avait pris le timeout je crois. 15-0 sur le game 1. On va voir ici 8-0 pour les Fribourgeois. Brian Colonne pour repartir de l'avant côté Lyon de Genève. Et le ballon, on voit au loin qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Pas et là de nouveau les Fribourgeois ball
qui switch. Il bonne défense de Kylian Martin ici. Oh, c'est compliqué. Et deux fois Kylian Martin qui vient bâcher Brian Colon ici. Bien joué de la part de Fribourg Olympique qui se relance une nouvelle fois en transition. Nathan Jurkovic, il va donner à Arnaud Couture qui aurait pu se prendre ce shoot au périmètre. Il préfère continuer à faire circuler la balle. Ouh, Lannen Arbus qui est revenu sur le tard. Effectivement. Bon mouvement encore de la part des Fribourgeois. C'est ça, exactement. On voit quand même qu'il y a une excellente circulation du ballon, une bonne attaque des close-out aussi côté les joueurs genevois qui sont en retard. Effectivement, là, c'est une bonne faute provoquée de la part de Xavier Green qui va donner de l'or ce franc. Et donc, deux chances pour Xavier Green, lui qui avait fait, je le rappelle, un premier carton dans le match précédent, magnifique, et qui est encore présent pour son équipe agressive dès le début du match. Xavier Green qui met cette première tentative de lancer franc. Effectivement, il avait scoré sauf erreur les 6 premiers points des 15, du 15-0 du dernier match. C'est exactement ça, les 6 premiers points de cette rencontre, en allant claquer notamment un énorme Thomas. Les Lions de Genève sont menés 10-0 et Brian Colon va remonter cette balle défendue justement par Xavier Green. Et là, qu'ils essaient de trouver peut-être une position à l'intérieur afin peut-être de cibler Arnaud Couture. Elle n'est pas servie, malheureusement bien défendue. Ça va être une faute offensive sifflée à Noé Anabir. On va voir qui vient porter l'écran tout en étant mobile. Il n'est pas placé, ça me paraît juste. Ouais, ça me paraît juste aussi puisqu'il est la sortie excessivement peut-être effectivement son bras pour pouvoir poser son écran. Il est sorti un petit peu fort. Et Eric Notage pour mettre une nouvelle fois cette attaque fribourgeoise en place. Nul doute que ça va bouger loin du ballon. Eric Notage à nouveau. Voilà, ça va être le lob pour Nathan Jurkovic. La prise de position, c'est bien joué collectivement une nouvelle fois, mais sans réussite pour Kylian Martin. Et Genève qui reste en défense 3-2 visiblement en défense. Ils choisissent la zone, les Genevois, et pour l'instant punis par la belle adresse de Fribourg Olympique. Robert Zinn au poste, Mladen Armus sur Arnaud Couture. C'est un mismatch qu'on essaye de cibler, mais pour l'instant bien défendu par Arnaud. Robert Zinn qui fait circuler Noé Nabir, défendu par Kylian Martin. Toujours pas de réussite pour les Lions. Toujours mené 10-0 après 2 minutes et 30 secondes ici à Saint-Léonard. Et puis là, Eric Notage, ok. Donc là, ils sont en train de placer le jeu. Ballon perdu par Nathan. La belle transition tout de suite et Robert Zinn qui joue avec le top scorer à la mobilière de cette formation, Markel Humphrey, qui va très bien provoquer la faute sifflée contre Nathan Jurkovic ici. De lancer pour Markel Humphrey et la possibilité de faire souffler un petit peu. Alors ça reste pas un panier si converti des lancers, donc dans l'état d'esprit un petit peu collectif de cette équipe, c'est pas la même chose, mais ça peut faire du bien de marquer deux premiers points après être mené 10-0. Exactement comme ça, et on voit que les Fribourgeois, malgré une balle perdue, ils veulent visiblement pas laisser de choses faciles aux Genevois, et on voit que malgré cela ils laissent effectivement une faute pour forcer Markel Humphrey au lancer franc qui ne convertit pas sa deuxième tentative. 10-1 donc pour Fribourg Olympique, et ça va passer tout de suite par un stop pour les Genevois. Revenir dans cette rencontre, Xavier Green, la circulation rendue difficile sur cette passe approximative, mais Eric Notage, il aime bien ce spot à 45, il va prendre l'écran de Kylian Martin. Et Genève qui part maintenant en man-man sur cette possession défensive. Ils ont switché effectivement, et Brian Colon qui est allé tout de suite défendre sur Nathan Jurkovic, le bras levé pour l'empêcher de mettre ce 3 points. Transition des Lions de Genève, bien défendu par Fribourg Olympique, et Markel Humphrey au périmètre qui va jouer avec Noé Anabir. On essaie de faire circuler côté des Lions de Genève. La prise de poste de Mladen Armus qui va aller attaquer là Nathan Jurkovic. C'est bien fait par Mladen Armus, et cette main gauche sur laquelle il a beaucoup de mal à finir décidément lors de ses playoffs. Effectivement, Mladen Armus, c'est plutôt quelqu'un qui a tendance à finir sur sa main forte, c'est-à-dire sa main droite. Kylian Martin de loin, toujours sans adresse du parking pour Kylian, et il va y avoir une faute sifflée ici sur le rebond offensif d'Arnaud. Sur Robert Zinn, il me semble. Sur Arnaud Couture, il me semble plutôt, sur le rebond offensif, sauf erreur. C'est Arnaud qui sifflait, oui. Sur Mladen Armus. Il me semble que c'est plutôt l'inverse. Mladen Armus, et oui, on voit les Fribourgeois qui vont remettre la balle ligne de fond. C'est Mladen Armus qui est sanctionné sur celle-ci. Remise de fond donc faite par Eric Notage qui va tout de suite pas se gêner là à l'angle 0 pour envoyer une nouvelle banderille. 13-1, laissé seul à 3 points une nouvelle fois. Eric Notage qui punit la presse tout terrain et les Fribourgeois qui sont en train de croquer les Lions de Genève sur cette entrée de match. Effectivement, difficile entrée en matière des Lions sur ce début de match. Eric Notage, est-ce qu'il peut avec ce mismatch en Mladen Armus, il va aller le jouer bien entendu. Le step back d'Eric Notage à mi-distance et qui vient à nouveau, on l'avait dit, moins dans le scoring sur la rencontre précédente. Et bien voilà, comme lors de ce match 1, Dragan Andrijevic qui prend time out alors que ces Lions ont déjà encaissé 15 points, 15-1 en l'espace de 4 minutes. Pour Fribourg Olympique, en l'espace de 4 minutes, début cauchemar une nouvelle fois là pour sortir la tête de l'eau. Après t'en être pris une de 35 pratiquement sur le match 1. Et là à nouveau, bis repetita le même scénario. Va falloir être sacrément solide de la part des Lions de Genève et de Dragan Andrijevic qu'on voit dispenser un time-out à l'écran.
C'est exactement ça, puisque comme tu l'as dit, effectivement, il a décidé de parier sur une défense de zone d'entrée, sur une défense de zone 3-2. Et on voit que sur les deux dernières possessions, il est passé quand même homme à homme, man to man. Donc là, effectivement, ils sont déjà dans le dur, effectivement, défensivement. Après 4 minutes, donc c'est 15 points, c'est forcément rude. Maintenant, le match, on sait qu'il dure encore 36 minutes. Donc à eux maintenant de rebondir après ce time-out pour ne pas subir une nouvelle déconvenue. Alors qu'on voit Dragan Andreevich dispenser des consignes. Il veut des rebonds offensifs, c'est ce qu'il demande à ses joueurs. We have to take offensive boards. Il a besoin de ça, Dragan Andreevich. Et on sait que ça a été un facteur dans lequel les Lions de Genève ont souffert très performant déjà. Oui, malheureusement, pas suffisant pour rivaliser avec Fribourg Olympique. C'est ça. Et c'est plutôt un domaine où ils sont dominants, puisqu'ils ont été sur la saison régulière à deuxième au niveau des rebonds offensifs. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel ils doivent s'appuyer. Alors qu'on revoyait le petit step back à mi-distance d'Eric Notage qui avait offert les 14e et 15 points à ce Fribourg Olympique qui mène donc 15-1 ici à Saint-Léonard dans ses demi-finales de Swiss Basketball League contre Genève. Pardon, Matt Denklinger au poste qui est rentré à la place de Mladen Armus et qui vient cibler. Il n'y a pas de petit marché, non, estime les arbitres. C'est sorti pour Robert Dean. Et toujours pas d'adresse du parking. Il leur faut un petit shoot qui rentre au Lyon là assez rapidement. Eric Notage qui est reparti de l'autre côté, marché sifflé de départ pour le top scorer, la Mobilière. On en voit quelques-uns hein, cette saison en SBL, toi qui as coaché dans le championnat. Les marchés de départ, c'est pas rare sur un match, c'en est 2-3, 3-4, voire qu'ils soient sifflés. Effectivement, surtout au niveau des joueurs américains, et particulièrement les rookies, ceux qui débarquent effectivement des États-Unis en sortant de l'université. Puisqu'ils ont besoin d'avoir cette habitude. Pas la même, le gather step, etc. Bien entendu, s'adapter. Mais là, Eric Notage, lui, avait de l'expérience. Pourtant, Noé Anabir, si on cible au poste bas. Et voilà, le premier panier des Lions de Genève sur Kylian Martin. C'est bien joué de la part de Noé Anabir qui se montre agressif tout de suite. Eric Notage, le spin move. Il va aller défier une nouvelle fois Denklinger. La prise à deux, on ne veut pas qu'il ait le ballon dans les mains. On ressort sur Arnaud Couture qui a fixé cette défense. Ça circule bien une nouvelle fois. Et Xavier Green, ils sont, après avoir rentré leurs deux premiers shoots à 3 points, en train de retomber un petit peu en termes d'adresse. Un des bons signes pour les Lions de Genève qui sont rares en début de rencontre. Mais pour l'instant, ça ne rentre pas du parking pour Fribourg. Et les Lions de Genève qui vont donc partir en transition ici. Robert Zinn avec Brian Collot. C'est bien joué très rapidement. Le jeu à deux et la belle coupe. Le jeu off-ball, ça va passer par là pour les Lions sur les transitions. Effectivement, il faut qu'ils puissent profiter au maximum de pouvoir scorer et puis pouvoir impacter Fribourg au niveau offensif. Comme sur la dernière transition entre Brian Collot et puis Mathieu Dettinger. Éviter absolument les attaques de mi-terrain. Et Nathan Jurkovic qui part tout de suite attaquer, mais elle va être donnée en bas. Cette faute, l'arbitre estime qu'il n'était pas encore sur son double pas. On va en voir les images ici. Effectivement, faute intelligente de Robert Zinn, puisqu'il est quand même sur un mismatch désavantageux sur Nathan Jurkovic. C'est-à-dire que Nathan Jurkovic essaie de le punir au poste bas. Donc faute intelligente de sa part qui va donner une remise en jeu de côté pour les Lions de Genève. Pour Fribourg Olympique, mais qui évite bien entendu de points faciles derrière quand on réinscrit Nathan Jurkovic. Et Jonathan Kazadi, Cheikh Sané qui vient de faire leur entrée, low end off. On rend le ballon à Jonathan Kazadi. Cheikh Sané va de nouveau venir lui porter un écran. Il ne s'en sert pas. Il fait jouer Eric Notage sur Brian Collon. Défendre presque à deux, là, on le voit sur les débuts de possession. Mais Brian Collon qui est pris et presque trop facilement sur ce premier pas d'Eric Notage. Il faut plus défensivement pour les Lions de Genève. Attention, 17-5. Markel Humphrey, le top scorer à la Mobilière de cette formation genevoise avec Noé Anabir. Qui va aller attaquer une nouvelle fois à l'intérieur. La passe approximative et la transition, c'est bien défendu par les Lions de Genève et on repart facilement. Faute une nouvelle fois, celle-ci va envoyer sur la ligne Fribourg Olympique. Faute de Robert Zinn, c'est sa deuxième. Exactement. Deuxième faute de Robert Zinn sur la transition à Xavier Green. Ici, on sent quand même les Genevois qui veulent vraiment aujourd'hui impacter les Fribourgeois dans le secteur intérieur puisqu'ils ont mis passablement de ballon sur ce début de match à l'intérieur. Donc, ils essaient vraiment de les punir là-dessus. Maintenant, peut-être à eux de trouver d'autres variantes, effectivement, puisque pour l'instant, ils sont quand même qu'à 5 points marqués. 5 points marqués seulement, 17 points encaissés déjà et 18 avec ce lancer converti par Mr. Green. Deuxième tentative pour l'Américain. Et deuxième, réussi, converti pour Xavier Green. 19-5 pour Fribourg Olympique et 14 points d'avance. C'était le plus gros écart de ce match à partir du time-out. Écart qui se maintient un petit peu pour l'instant. On va refaire cette mise en jeu. Il y avait des changements qui devaient être effectués. Et Ross et Michael Williams qui va remplacer Robert Zinn, qui a un rôle un peu, il sort du banc. Finalement, ensuite, on le met dans le 5, on le ressort.
Et il y a un rôle un petit peu hybride là pour l'instant. On sent qu'il n'a pas trouvé l'Américain comme Aveuve l'an passé, son rythme dans cette équipe des Lions. Exactement, mais ça reste quand même un joueur qui peut être décisif comme il l'a été dans leur cinquième match contre nous où il a appris tout simplement feu. Tu en es témoin. Effectivement, donc c'est un joueur qui reste malgré tout dangereux. Et c'est lui qui va remettre en place l'attaque genevoise ici, qui prend la responsabilité. On se défense d'Eric Notech. Très très bien défendu par Eric. Le retour en zone, il avait retouché cette balle, Michael Williams. Et la défense une nouvelle fois féroce des Fribourgeois. On a l'impression immédiatement ils ont sorti Robert Zinn, ultra agressivité sur la main. On voit bien que du côté des Lions, il n'y en a aucun qui peut l'assumer dans ces conditions-là. Alors après, il y a Robert Zinn et Brian Colomb qui sont en alternance sur la main. Mais effectivement, Brian a perdu énormément de ballons sur le Game 1, dans la création notamment. Il était ciblé par la défense fribourgeoise lorsqu'il s'occupait de mettre en place ses possessions. La bonne défense, non, ça va être contesté. Je crois que c'est même un goaltending appelé par les arbitres. Non, on aura de lancer, donc c'est une faute donnée à Matt Dettlinger ici. Et peut-être un petit peu sévère parce qu'à première vue, on croit peut-être qu'il touche le ballon. J'avais aussi ce sentiment, ça va très vite sur le ralenti qu'on vient de voir. Mais en tout cas sanctionné par le trio arbitral de cette rencontre et offrant au top scorer la mobilière fribourgeois Eric Notage de nouvelles chances sur la ligne et convertit la première 15 points d'avance. C'est le plus gros écart de ce match, ça y est. Et le jeune Aloïs Lerolle qui va maintenant rentrer. Et Aloïs qui a montré de belles minutes hein, cette saison. Avec le... il prend des petites missions quand il rentre. C'est un garçon qui a montré de très belles choses. Il sait être agressif, pas uniquement en bout de chaîne. J'ai bien aimé ce que j'ai vu d'Aloïs. C'est exactement ça, pas que de lui, mais aussi de Dylan Ducoma. On voit que Thibaut Petit fait confiance aux jeunes, et ça, il leur rend plutôt bien. Donc là, maintenant... Il vient prendre les missions exactement avec grand plaisir, et donc les Lions de Genève qui repartent de l'avant. Brian Colon pour mettre en place cette attaque et la pression une nouvelle fois d'Eric Notage. Il ne peut rien faire, Brian, là-dessus. Ça monte pas assez à 45 degrés, les shooters, notamment Michael Williams qui va cibler au poste. On a vu Markel Humphrey sur Jonathan Casali, mais c'est bien défendu, il va mettre le pied en touche, mais dans la tête. Ils ont pas eu le contrôle du ballon en plus, donc ça va laisser un peu moins de 3 secondes aux Genevois de mettre une attaque en place. A voir effectivement s'ils vont mettre quelque chose de spécial en place. Remise en jeu sous le panier ici. Et l'entrée de Roberto Kovács côté fribourgeois et la sortie d'Eric Notage. Ça fait plaisir de voir Roberto refouler les terrains depuis quelques matchs sur les parquets suisses. Lui qui a été absent toute la saison finalement. Ouais, hein, pratiquement l'intégralité de la saison, il avait été blessé un peu avant la... Et cette petite, je t'interrompais, cette petite remise en jeu donc avec 2 secondes 8. On a choisi le tir extérieur pour Michael Williams, c'était très compliqué, trop compliqué. Le bon box-out fribourgeois et la transition tout de suite. Les Genevois sont revenus très rapidement. Jonathan Casady qui met en place cette attaque. Check Sané au périmètre, on va donner le ballon à Ross Williams. Avec Aloïs Lerolle, on fait à nouveau circuler. On voit bien que les Lions de Genève ne peuvent pas aller mettre une pression aussi haute. Il va pas se gêner sur Brian Colon, qui avait levé le bras. Toujours pas d'adresse à nouveau pour les Fribourgeois du parking après ces deux premiers tirs convertis. Derrière la ligne à 3 points, les Lions de Genève. Avec Brian Colon, le pic de Matt Dentinger au périmètre. On donne la balle poste bas une nouvelle fois. Tu avais raison de le mentionner, on essaie de jouer poste bas. L'aide, on a très bien vu Dentinger la petite coupe au loin. C'était bien joué, mais bien défendu de la part des Fribourgeois. De nouveau, oui, effectivement, puisqu'ils n'ont qu'une seule faute d'équipe. Maintenant, c'est la deuxième faute d'équipe, intelligemment fait par Jonathan Casady, comme tu l'as dit. Il avait un petit peu l'avantage physique, là, Noé Nabir sur Jonathan Casady, bien aidé par Cheikh Sané. Et le retour de Robert Zinn aussi. Et le retour de Robert Zinn sur le parquet qui va peut-être faire du bien au Lions de Genève. Mené 21-5 ici à Saint-Léonard. La sortie d'écran, cascade d'écran même pour Noé Nabir qui va cibler au poste à Aloïs Lerolle mais qui est solide sur ses appuis. Aloïs est départ Cheikh Sané ici. Il va sortir au loin. Boris Bala semi-ouvert sur ce shoot. Et Boris, ça peut être une des clés de ce match. On sait que c'est un vrai gros joueur mais qui a eu une panne 16 d'adresse. Il a remis le couvert un petit peu une fois contre Monté, mais c'était compliqué ces dernières sorties à Boris. Exactement. Après, c'est un joueur qui effectivement arrive rapidement à pouvoir se remettre en question et à pouvoir se remettre sur les rails. Comme on le voit maintenant sur le premier tir qu'il a pris en venant de rentrer en jeu. Il est sanctionné ici, Boris Bala, sur cette défense en tout cas. Le petit pull-up qui était venu prendre dans ses Noé Alabir qui va être sanctionné par les habits de cette rencontre. Il finit un petit peu sur l'avant-bras, sur le poignet tardivement de Joe Casady. Et il leur offre de lancer. Et puisque les Genevois sont en bonus, ça va donner automatiquement de lancer franc. Ah, toute nouvelle faute, effectivement, des Lions de Genève à enverrer, même si elle est donnée en bas. Fribourg Olympique sur la ligne pour consolider un petit peu plus cet avantage. Et l'entrée en jeu de Paul Gravet à la place de Noé Nabir. Qui va venir prendre des minutes, l'international suisse. Lui aussi, on parlait tout à l'heure de Michael Williams. Il
fait partie des joueurs qui ont un petit peu de mal à trouver leur rythme dans cette formation genevoise et notamment pendant ces playoffs, Paul Gravé, alors qu'il avait été auteur d'un début de saison énorme. Et les Lions de Genève qui vont remettre cette balle ligne de fond, Boris Mbala qui prend en charge la possession sur Jonathan Cazadi, va mettre en place cette attaque. L'international suisse donné au poste bas sur Matt Dentinger qui est défendu par Tchèksané qui l'oblige à aller shooter loin du panier. Il aurait fait du bien au Lions de Genève celui-ci, donner de la confiance à Dentinger, mais il n'en est rien. Le screen que jugeait mobile Boris Mbala de Tchèksané qui permet à Joe Cazadi de remonter le ballon à Louis Sidérol qui n'hésite pas une nouvelle fois à prendre ses responsabilités. Oula, bien long en cercle. Et les Lions de Genève qui sont repartis de l'avant ici. La faute d'Aloïs Lérol. De nouveau une faute pour stopper le rythme des Genevois. Intelligemment utilisé par le jeune Aloïs Lérol. On voit que Tchèksané effectivement essaie aussi de prendre des positions de son côté à l'intérieur pour pouvoir toucher, le ballon et pouvoir amener peut-être des paniers faciles pour les Fribourgeois. Et au poste justement, ce sont les Genevois qui vont se frotter à Aloïs Lérol, ciblé par les Lions de Genève là en attaque, et Paul Gravé qui va ressortir, mais il est costaud sur ses appuis à Aloïs Lérol, on l'a déjà vu tout à l'heure au contact avec Marc-Alain Humphrey et Noé Anabir. Solide. Effectivement, il se défile pas. Et puis effectivement, c'est bon augure pour les Fribourgeois. Avec Joe Cazadi, il va mettre un peu d'ordre dans tout ça. 15 points d'avance toujours pour les Fribourgeois. Est-ce qu'ils ont besoin d'ordre, me direz-vous? Dragan Andrijevic, qu'on voit se plaindre là, c'était quoi? Il estimait un retour en zone? Peut-être à 8 secondes aussi, puisqu'on voit sur le banc Noé Anabir et Dragan Andrijevic qui demandaient à 8 secondes. Le technicien est tout de suite derrière. Tchèksané sanctionné sur un écran mobile, on a vu tout à l'heure. Et on va revoir à n'en pas douter au ralenti cette action. Et effectivement, on voit qu'ici, Tchèksané cherche peut-être un petit peu trop Michael Williams avec sa hanche gauche ici. C'est ça, il sort bien. Il était dans un pas de Kuduro, de Bachata, notre ami Tchèksané. Et donc les Lions de Genève qui essayent de ressortir ce ballon, la presse tout terrain quasiment là, ça va être joué avec l'aide de Paul Gravé, ils arrivent à remonter, Robert Zinn qui met en place cette attaque, Ross Williams toujours assez agressif en défense, Robert Zinn qui va aller jouer à l'intérieur, il sert Dentlinger, Paul Gravé sur l'extérieur, le pic de Dentlinger à nouveau, on va jouer à nouveau ce mismatch qu'on estime avantageux sur Aloïs Lérol, mais bien aidé par Tchèksané une nouvelle fois de la part Fribourg Olympique. Effectivement, Aloïs Lérol qui a été secondé par Tchèksané, qui ont été limite doublé sur Matt Ediger dedans. Et effectivement, grosse défense encore des Fribourgeois malgré le fait qu'ils étaient en bonus. Et ils ont du mal toujours. Ils ont toujours beaucoup de mal, les Lions de Genève, avec ces prises à deux, qu'elles soient au périmètre ou au poste. Roberto Kovac à Louis Lérol. Il fait preuve encore une fois de belles minutes. Et ici, la sortie d'écran est bien contestée par Boris Mbala. La prise de balle de Joe Cazadi qui va prendre l'écran de Sané ici. Il a le mismatch à l'intérieur. Tchèksané sur Boris Mbala. L'avantage de taille pas sanctionné par l'intérieur Fribourgeois. Et cette faute qui va être sifflée. Nous étions dans le bonus du côté de Fribourg Olympique. Exactement. Et qui enverra donc Paul Gravé avec deux lancers francs sur la ligne. C'est bien cela. Effectivement, Aloïs Lérol qui a peut-être naïvement voulu faire la faute. Effectivement, peut-être qu'il n'était pas au courant que Fribourg était en bonus. Malheureusement, donc maintenant ça va donner des lancers francs effectivement pour Paul Gravé. Alors qu'on vous offre une petite update de ce qui se passe du côté de Nocedo entre Spinelli Massagno, les joueurs de Romy Gubitozza qui sont menés de 2 points à 1 minute de la fin du premier quart-temps. 21-19 pour Union Neuchâtel, qui avait fait preuve d'un début de match énorme avec 11 points d'avance. Massagno est un petit peu en train de revenir. Et est-ce que les Lions, après ce premier lancer réussi de la part de Paul Gravé, peuvent en faire de même ici à Saint-Léonard? A voir sur le deuxième lancer franc ici. Malheureusement, c'est long, mais le rebond de Madel Tinger qui va faire beaucoup de bien aux Lions de Genève. Et qu'est-ce qui se passe à la table? Alors, les arbitres de cette rencontre, un problème de chrono? Bon, il me semble que les 14 avaient été redonnés. Bon, peut-être si on a un ralenti du dernier lancer franc ou quoi. Effectivement, on va voir maintenant ce que Dragan, peut-être Andrijevic, va proposer effectivement à la fin du carton. J'ai envie de dire, il a eu quand même quelques jours pour proposer quelque chose de différent. Et les mots sont les mêmes ce soir que lors de cette première rencontre. Prise à deux, incapacité d'établir un bon spacing autour, d'avoir du mouvement off-ball. Et sanctionné par la bonne défense fribourgeoise. Exactement, et puis on voit que Fribourg est hyper agressif, que ce soit sur les balles à l'intérieur ou même sur de la pression sur le ballon, sur le porteur de balle. On est reparti avec Robert Zinn qui va ressortir pour Paul Gravé ici. Oh, le double pass, c'était compliqué. Et Arnaud qui est bien venu défendre en aide, fin des 24 secondes, qui vient faire mal à la tête et aux têtes genevoises. Paul Gravé qui semble demander aux arbitres, qui estime lui aussi qu'il y avait un souci de chronomètre. Il ne me semble pas. C'est la fin en tout cas
Là, il va quand même aller consulter son collègue, il me semble, ici. Ah, puisqu'ils sont en train de se consulter. On va voir une petite situation. Exactement. On les voit pas à la caméra, mais ils sont tout à gauche. En train, effectivement, le trio arbitral de cette rencontre, de se concerter. Que s'est-il passé sur la dernière possession? Peut-être pour une dernière, ultime possession pour les Fribourgeois. On va remettre du temps au chrono. Évidemment, combien de temps on va offrir à Fribourg Olympique pour clôturer, pour clore ce premier quart-temps ici à Saint-Léonard, alors qu'ils mènent 23-9 et qu'ils font preuve une nouvelle fois de toute leur domination. Ça sera 1:06. Est-ce que c'est suffisant? À qui tu donnes la balle dans ce cas-là? Arnaud Couture. Alors on voit que c'est Arnaud Couture qui a le ballon. Et ça va être pour l'international suisse, l'ancien international, puisqu'il avait annoncé sa retraite. D'ailleurs, tout le monde va se rassembler là quelques minutes. Fin de ce premier quart-temps, 23-9 donc pour Fribourg Olympique. Les trois coachs de cette formation fribourgeoise en discussion ici et qui m'ont l'air serein. Et qui, pardon? Et qui m'ont l'air serein. Et qui ont l'air plutôt serein, effectivement, qui se concertent effectivement sur le plan. Le plan de jeu à afficher maintenant durant le deuxième carton. Et on entendra Galen Zvejevic. Take a look top guy. So over your shoulder, and that's to release the ball when they are coming to you. Okay, right away. We need to keep going with the horse, Robert. Horse, when you're rolling down, sit on the screen and then spread with Robert, with Mike and Boris. Okay, guys? Dragan Andrevic et maintenant Thibaut Petit contrôler le rebond défensif. Il a demandé à ses joueurs encore plus que ce qui était fait, se concentrer sur les box-out, notamment la ligne arrière, pouvoir sécuriser ce rebond défensif. Exactement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les deux équipes les plus dominantes au rebond offensif de la Ligue. Et ils savent que c'est des aspects importants s'ils veulent pouvoir l'emporter aujourd'hui. On voit ce dunk de Matt Denfinger qui a fait du bien à ces Lions. Et la balle qui sera genevoise sur la première possession du deuxième quart-temps. Exactement, ils avaient perdu le tip-off, les Genevois. Donc dans le deuxième quart-temps et le troisième quart, possession pour eux. Première possession pour eux. Roberto Kovac, Arnaud Couture, Jonathan Cazani, Cheikh Sané et Ross William côté fribourgeois. Et côté Genève, on a Michael Williams, Paul Gravet, Robert Zinn, Matt Dentlinger. Et au loin là-bas, on le voit pas sur l'écran, à l'angle 0, Boris Bala. C'est reparti pour ce deuxième quart-temps, 23-9 pour Fribourg Olympique ici à Saint-Léonard. Et la balle donnée dans les bras de Robert Zinn qui fait circuler le ballon. C'est ce qu'a demandé Dragan Andrejevic. Et du spacing autour. Dentlinger, le main à main avec Boris. On a du mal à jouer à deux côté Genevois. Toujours Robert Zinn. Il va hériter de 8 secondes de ce ballon. Avec 8 secondes au chrono, un petit peu moins maintenant. La belle passe, c'est bien lu. Le no-look pass là de Robert Zinn pour Matt Dentlinger. Bien exécuté de la part des Lions de Genève. Et Fribourg Olympique qui repart de l'avant. Ross Williams. Et là, Ross Williams qui transfère à Arnaud Couture, qui va jouer un pick and roll à l'opposé. On voit qu'ils sont sur leur système de transition ici pour leur première possession, les Fribourgeois. Et là, Jonathan Cazadi qui va probablement ici essayer de trouver Cheikh Sané dedans. Finalement, là-bas. On n'arrive pas à trouver Cheikh Sané, mais ça va être un gros step back là du parking de Ross Williams. Sans réussite, toujours de loin pour Fribourg Olympique et Michael Williams qui essaie de servir à l'intérieur. Il n'y avait aucune position de prise à ce moment-là par Paul Gravet et un turnover qui va faire une nouvelle fois du mal à ces Lions. Effectivement. On voit Jonathan Cazadi maintenant qui va appeler un système. Et là effectivement Michael Williams qui perd le ballon. C'est pour les Genevois. Les Fribourgeois qui sont repartis. Cheikh Sané au périmètre. On donne la balle au poste. L'avantage de taille bien exploité par Arnaud Couture. Non, il n'arrive pas à finir avec sa main gauche. C'était bien joué pourtant de la part du joueur suisse de Fribourg Olympique. Et Boris qui va s'arrêter à mi-distance. Ça, c'est des spots qu'il connaît et qui travaille beaucoup. Bien joué Boris Bala, qui permet aussi de revenir à 10 points des Lions de Genève. C'est une barre un petit peu importante et symbolique. Essayer de passer en dessous, ça va passer par la défense. Et là de nouveau une perte de balle, mais cette fois côté fribourgeois, puisqu'Arnaud Couture a essayé de transférer le ballon à l'opposé. Malgré l'avantage pris par Jonathan Cazadi, puisqu'il s'est retrouvé face à Dettlinger sur le premier écran.
Donc malheureusement, cette possession est un peu moins bien gérée de la part des Fribourgeois. On voit Roberto Kovac qui avait demandé à ce qu'on joue à zéro, il ne s'attendait pas à cette passe-là non plus. Tout comme Ross Williams et les jeunes voix vont-ils exploiter ce ballon perdu par les Lions Genève. La bonne défense de Kazadi sur Boris. On va poser un écran, Dettinger qui vient poser un mur même sur Jonathan Kazadi. On est bien ressorti côté Lions Genève. Robert Zinn, et on a du mal à faire circuler très vite ce ballon. Des dribbles, et ça reste statique. Robert Zinn qui va aller prendre un shoot très compliqué sur Eric Notage, sans réussite pour le meneur des Lions de Genève. Et Jonathan Kazadi de nouveau qui essaie peut-être de pouvoir créer un accès au panier. On essaie de passer de nouveau sur un système de transition ici ou sur un pick and roll comme on le voit maintenant avec Notage et Couture. Et c'est bien fini par Eric Notage au contact sur Matt Dettinger. Magnifique N1 avec la faute sifflée par les arbitres. Antisportive. Donnée en antisportive. On va la revoir ici à l'écran. Baisse ton avis là-dessus. Effectivement, elle y est puisqu'on voit Matt Dettinger qui est clairement en retard sur l'action. Malgré le switch, et on voit qu'il a grippé clairement Eric Notage par l'épaule. Donc effectivement, c'est une faute qui est très justement saisie. Sans possibilité, on voyait bien à l'écran, de pouvoir prendre possession de ce ballon-là. Effectivement, sanctionné d'une faute antisportive avec les deux points qui ont été donnés. Et en plus de ça, on va rendre la possession derrière à Fribourg Olympique avec cette remise de côté. Jonathan Kazadi, pour redonner un peu le large, ils étaient revenus à 10 points les Lions. Les Fribourgeois peuvent-ils à nouveau creuser un gros écart? Elle est en switch de nouveau ici sur Eric Notage. Il y a peut-être un avantage à exploiter de son côté. Il va le jouer en 1 contre 1 là, de la ligne à 3 points. Il y avait l'avantage dedans dont tu parlais d'Arnaud Couture. Il n'est pas laissé à l'en poste, mais bien placé au rebond. Et qui vient être dominant ici dans la peinture, offrir 2 points de plus. 15 points d'écart à nouveau, 28-13 pour les Fribourgeois. Et puis effectivement, Arnaud, c'est quelqu'un qui a un excellent timing au niveau du rebond offensif. Ça, il a le petit jump. Lui, Robert Zinn, ce qu'il a, c'est ses petites finitions et notamment ce petit flotteur qu'on allait voir poser dans la peinture fribourgeoise. Il ramène les siens. Le pied sifflé de Bladen Armus. On va remettre le chrono à 14. Non, il est à 16 de toute façon. Et donc 28-15, 13 points toujours d'écart. Ce match qu'on espérait ultra serré, il faudrait pas que les Lions là sur le deuxième quart prennent un éclat un petit peu plus conséquent parce que c'est difficile d'en revenir derrière. C'est exactement ça. Et puis comme on l'a vu sur la dernière action, ils devraient éviter de pouvoir laisser des secondes chances comme il y a eu avec ce rebond offensif d'Arnaud. Donc maintenant de pouvoir mettre de la pression comme Fribourg et de pouvoir faire des stops défensifs et courir derrière. Quelle solution, on en parlera juste après cette remise face à justement ces matchs au poste de bas pour les Lions de Genève. En attendant, Fribourg Olympique et Eric Notage. En place une attaque sur demi-terrain, 1 contre 1, Eric Notage, là c'est bien défendu par les Lions avec la bonne aide, mais au loin forcément on a laissé un petit trou exploité. Dylan Ducommun à 45 degrés et ça fait filoche, bien joué, ils arrivent à prendre des décisions très vite, les Fribourgeois contre sa double, à contrario des jeunes voix pour l'instant, et l'écart il se fait clairement dans ce domaine-là. Timeout immédiat posé par Dragan Andrejevic, on ne peut pas matcher la vitesse de réflexion et de prise de décision des Fribourgeois côté Genève. C'est exactement ça, comme tu l'as dit, et on l'a dit effectivement durant le premier quart. Ils ont une grande faculté à pouvoir se partager le ballon, à lire les avantages. Et comme on le voit maintenant sur cette dernière possession, Dylan qui est ouvert pour prendre un tir et faire filoche. Alors qu'on entend Dragan Andrejevic avec son groupe. By the way, when you switch, put the pressure on him. Not to take a shot, to take one on one isolation. Because under the basket, we got a mismatch. When you just have to change, make a move right away. Stop the game, guys. You have to use the foul. Stop the game. Et Dragan Andrejevic qui demande là très clairement à ses joueurs pour accompagner la fin de ce timeout. Mais qui leur demande très clairement de stopper un petit peu le rythme de ce match. Quand il y a notamment un poste, comme on l'a vu là avec Arnaud Couture, un gros avantage de taille, faites des fautes, donnez des fautes, il n'y en a toujours qu'une seule de la part des Lions Genève après 7 minutes. Stoppez un petit peu les fautes intelligentes dont tu parlais tout à l'heure avec Aloïs Lérol et Arnaud Couture. Bah, il leur demande un petit peu la même chose, Dragan Andrejevic finalement. C'est exactement ça, après il demande aussi de mettre de la pression sur la balle puisqu'il demande à pouvoir contester et éviter justement que Fribourg punisse l'avantage à l'intérieur. Donc pour lui c'est un point important pour que les Genevois doivent utiliser. Et on va voir s'ils vont en être capables sur la prochaine possession quand ils seront, lorsqu'ils seront en défense les jeunes voix. En attendant c'est Boris Bala qui a failli faire échapper ce ballon et qui remonte ce cuir demi-terrain. Il va tout de suite essayer de provoquer de l'avantage. Voilà, provoquer l'avantage que lui a procuré ce premier pas. Et là, immédiatement, Fribourg Olympique, ce que Dragan vient de demander au Lyon, on stoppe le match. Je suis pris sur le premier pas. Hop.
C'est immédiat. Faute intelligente de la part de Dylan, comme tu l'as dit. Intelligente, c'est des jeunes joueurs qui viennent les faire. On les amène aussi pour ça, pour pouvoir stopper un petit peu le match. S'ils font beaucoup de fautes, c'est moins important qu'une grosse rotation de l'effectif. Bien joué de la part du joueur, de Thibaut Petit également. Et les Lions de Genève qui sont repartis de l'avant. Le main à main, non, il est contesté. Mais Boris Mbala qui va quand même se lever à 3 points. Le bon contest de Michael Williams, même pas suffisant, va partir en transition. Et là, Arnaud Couture. Oh, il est monté, Boris, là, sur son ancien. Sur son ancien copain, ça n'a pas suivi derrière. Il est fou de rage, Boris Mbala, parce qu'il était venu mettre une claque à Arnaud Couture. Le rebond offensif, la deuxième chance, une nouvelle fois, des Fribourgeois qui sanctionnent les Lions de Genève. Et on est reparti, le end-off entre c'était Mladen Armus et Robert Zinn qui va jouer dans le corner avec Paul Gravé. Mladen Armus, une nouvelle fois, on essaie de donner le ballon à l'intérieur. Et la main gauche qui est toujours un petit peu plus difficile pour Mladen Armus. On l'envoie que main gauche. La transition une nouvelle fois de Nathan Jurkovic. Il avait posé la balle quasiment sur cette planche, mais un petit peu court sur le cercle. Robert Zinn qui fait circuler ce ballon et la faute donnée. On stoppe à nouveau le match. Eux, ils sont létaux là-dessus. Des deux côtés du terrain, les phases de transition. La gestion des hommes de Thibaut Petit, pas uniquement sur cette play-off, mais sur l'ensemble de cette saison régulière. C'est quand même une masterclass. Bah, c'est clair, c'est la meilleure défense du championnat. On le voit effectivement au bout de 15 minutes sur ce match, qu'ils sont tellement intenses et puis tellement intelligents sur leur faculté à pouvoir donner des fautes. On voit qu'ils ont presque 15 points au bout de 15 minutes. Donc c'est plutôt positif pour eux. Remise en jeu de côté, donc des Lions de Genève menés 33-15 par Fribourg Olympique. Michael Williams qui vient attaquer à l'intérieur. Tchèque-Sané, il a préféré sortir et on peut le comprendre. Sur Brian Colon, le pic posé, il a tout de suite pop Paul Gravé. Mais pas de réussite sur ce périmètre pour les Lions de Genève. Qui leur ferait pourtant clairement du bien. On est bien reparti en transition une nouvelle fois. On vient sanctionner le match-up face à Brian. L'avantage de taille de Dylan Decommun qui attaque tout de suite, c'est bien fait au cercle. Et Dylan qui fait une très grosse entrée, qui fait des grosses défenses, que ce soit sur Boris Mbala ou maintenant sur Brian Colon, qui joue son basket, qui n'a pas peur d'aller au panier comme il l'a fait sur la dernière action. Donc plutôt bien aussi pour les jeunes joueurs. Et là, ce qui passe de Brian Colon, c'était pour Robert Zinn, toujours à peu près ouvert, mais ça ne rentre pas pour les Lions encore une fois. Eric Notage, oh, qui s'est un petit peu oublié dans la finition, notre ami Eric, sur ce coup-là. Les Lions de Genève vont avoir l'opportunité. Ah, Paul Gravé, on hésite à prendre ses shoots maintenant à 3 points. Et une fois que la défense fribourgeoise est refermée, on le voit bien ici avec Tchèque-Sané, le bon rebond de Michael Williams. Et une fois que c'est refermé, c'est compliqué. Et jouer cette transition pour les Lions de Genève, ça va être une clé, on voit bien. Et Fribourg Olympique qui repart de l'avant. Dylan Ducomin. Ils peuvent faire mener le ballon à beaucoup de monde au périmètre, les Lions. C'est exactement les, ça. Les Fribourgeois, pardon. Fribourgeois, exactement, oui. Et là, un tir de Roberto Kovács. On sait que Roberto Kovács, c'est un tireur d'élite. Laissé seul comme ça sur le parking, là, généralement, effectivement, c'est de l'argent au coffre, notre ami Roberto. Effectivement. Paul Gravé, les Lions de Genève qui repartent de l'avant. Mladen Armus qui fait circuler la balle. Oh, avec Brian Colon qui a failli glisser un petit peu là sur cette possession. Pas de marché sifflé aux jeunes voix. On fait sortir le ballon du poste. La fin de passe de Robert Zinn qui va mettre, ça y est, cette banderille qui peut débloquer un petit peu le compteur des jeunes voix. En tout cas, les faire revenir sous la barre des 20 points puisque c'était l'écart juste avant ce panier. 38-20 pour Fribourg Olympique. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, c'est un ballon sur Nathan Jurkovic, pardon, ici. On voit qu'ils n'arrivent pas à trouver pour l'instant une solution. On voit un tir de Nathan à 3 points. Ouf. Malheureusement, une briquette. Mais ici, Mladen Armus qui fait faute. Une belle bricasse, effectivement, de Nathan Jurkovic sur cette tentative du parking. Il en met parfois des un peu dingues comme ça. Donc on ne va pas lui en vouloir, à mon avis, côté Fribourg, d'avoir pris ce shoot. C'est exactement ça. Puis on voit qu'il est malgré tout en confiance pour prendre ses tirs, puisqu'il peut en mettre. Et effectivement, malheureusement, sur la dernière action, ça n'a pas été possible pour lui. Et il va sortir. Pas de réussite. On fait rentrer Kylian Martin au temps d'une grosse saison, Kylian Martin. Et on a également fait sortir Roberto Kovács du côté de Fribourg Olympique. Xavier Gick sur le parquet. Il accompagne Dylan Ducomin là, sur les lignes arrière et Eric Notage notamment. C'est justement le top scorer à la mobilière fribourgeois qui a la balle dans les mains. Sur l'autre top scorer à la mobilière, Markel Humphreys qui va lui mettre dessus. C'était bien défendu, semble-t-il, par Markel Humphreys. Les Lions de Genève qui essayent de repartir de l'avant. Vont-ils pouvoir jouer vite? Non, c'est bien replacé côté fribourgeois. On va servir à l'intérieur, on a vu le mismatch. Et là, Eric Notage va être sanctionné. Il avait vu l'avantage de taille de Markel Humphreys. Il n'avait pas envie de s'y frotter en un contre un au poste. Effectivement, il a choisi la voie de la faute qui va amener la troisième faute d'équipe sauf erreur de Fribourg Olympique. Et puis donc ça donnera une remise en jeu au lieu de lancer pour Markel Humphreys. Mais on est à une seule faute d'équipe de plus que côté Genevois. Et on en a fait des très très belles puisqu'on parle depuis tout à l'heure de faute intelligente de la part de Fribourg Olympique. Brian Colon ici. Ouh, est-ce qu'il n'y avait pas un petit marché de Brian? Non,
Ah, pas sûr. Pas sûr, pas sûr en tout cas. Mais quel fondamental, alors quel footwork si ça n'est pas le cas. Et on est reparti en transition. Extrêmement vite et fort. C'est Xavier Green qui vient conclure cette passe magnifique au-dessus de l'arceau d'Eric Notage pour un alley-oop qui sera pour l'instant la highlight de cette première mi-temps. Très bien joué en transition, hein, l'athlétisme de Xavier Green pour sanctionner les Lions de Genève. On est reparti tout de suite de l'autre côté. Oh, la défense fribourgeoise est si intense sur les Lions de Genève. Le rebond, Eric Notage qui met en place une transition très rapide. Kylian Martin, est-ce qu'il va aller sanctionner son ancien partenaire du côté du Lyon de Châtel, Noël Lavière? C'est bien fait par les fribourgeois. Effectivement, et comme tu l'as dit avant, Eric Notage, il a la capacité aussi de faire jouer ses coéquipiers. S'il n'est pas dans les points, il arrive à trouver des passes comme les deux dernières passes qu'il vient de faire. Et pour l'instant, il est bien dans les deux catégories, notre ami Eric. Les Lions de Genève avec Robert Zinn, 20 points d'écart à nouveau dans cette rencontre, 42-22. Et Bladen Armus, il ne peut pas là. Ouais, Cheikh était placé. Non. Si. Ah, il y a eu un call différent de la part des deux arbitres. On va voir à qui on donne raison. C'est David Ebaleta qui aura le dernier mot sur ce coup de sifflet. Et c'est donc une charge, il me semble, au ralenti. Tu vas nous donner ton avis. Oui, car à première vue, Cheikh n'a pas les deux pieds dans le semi-circle. Donc je pense a priori effectivement que c'est une faute offensive de la part de Bladen Armus. Il va bien la chercher, on voit bien qu'il a un pied assez loin du centre de gravité. Il a bien descendu les appuis de Cheikh Sané pour prendre un peu plus de place, mais il est très bien placé. C'est un joueur qui est capable, on l'a vu cette année, mais on l'avait vu aussi du côté d'Aix notamment. On l'avait vu par le passé dans ce championnat sous la houlette de Dragan du côté des Star Wings. C'est un joueur qui est capable de prendre des charges comme ça dans un match et d'être bien placé défensivement. Les Fribourgeois, tout de suite, on est venu une nouvelle fois jouer très vite et c'est une nouvelle situation de rebond offensif. On give up encore, on abandonne encore du côté des Lions de Genève. Une deuxième chance aux Fribourgeois. Ballon Robert Zinn ici, on voit qu'il a agressé. Les Fribourgeois n'arrêtent pas au niveau de la pression défensive. On voit qu'ils sont en place et que derrière ici, les Genevois ont plutôt de la difficulté à pouvoir attaquer le panier. Et là, on voit Noé Anabir doublé sous le panier. Ça va être le cas, non, il y a une faute qui va être donnée à Cheikh Sané. On ne laisse toujours pas les Lions de Genève aller exploiter ses avantages de mobilité, de taille par moment, de poids également. En l'occurrence là, de mobilité, on le voit bien. Cheikh Sané qui fait cette faute sur Noé Anabir pour éviter un panier facile. C'était la dernière, les Fribourgeois sont rentrés dans le bonus, donc à partir de maintenant, pour ces deux dernières minutes du premier acte, ils seront sanctionnés de deux lancements à chaque faute. Et Cheikh Sané qui est au bénéfice de sa deuxième faute personnelle, qui laisse sa place à Arnaud Couture. On est reparti côté Genevois. Le ballon comme souvent au périmètre pour Robert Dean qui va aller essayer de jouer Eric Notage. Non, c'est trop tard. On ressort sur Ryan Colon qui va servir Deltinger au poste sur Lian Martin. Est-ce qu'il peut faire la différence là? Deltinger, il est forcé à aller prendre un shoot extrêmement loin du cercle par Kylian Martin, bien défendu de la part de l'international suisse. Arnaud Couture, on circule avec Ross Williams. On sait que lui c'est une petite gâchette ambulante. Williams, il est entré au Final Four notamment et une nouvelle fois, ici il est bien sanctionné. 47-22, 25 points d'écart, le plus gros écart ce match. Et une nouvelle déconvenue qui se dessine pour les Genevois. Johan Abersan réussit face à Kylian Martin, on est reparti en face du côté de Fribourg Olympique. Eric Notage qui pousse le ballon et qui donne le ballon sur Kylian Martin. Genève qui sera sanctionné d'une seconde faute antisportive de Brian Collomb qui a voulu empêcher un panier facile pour Kylian. Et ouais, il a voulu éviter le N1. Et là, malheureusement, on voit bien évidemment sur ce ralenti. Schlack, il attrape le bras complètement et très longtemps. Il avait la main tout de suite. Mais il avait vu et compris que ce don, que cette faute serait sifflée en entente sportive. On aura donc un précédent c'est franc. La possession rendue sur le côté à Kylian Martin et au Fribourg Olympique. Vous voyez, Fribourg Olympique, c'est difficile à partir du moment où ils arrivent à faire des stops défensifs et courir, de pouvoir les stopper sur leur jeu offensif, sur leur jeu de transition. Chose que les Genevois. Raté par Kylian Martin. Chose que les Genevois, effectivement, ont de la peine à pouvoir contenir, puisqu'on voit que Fribourg est à 47 points juste avant la mi-temps. Et le deuxième également, très court en cercle, Kylian, là, qui va devoir se mettre un petit peu en rythme dans cette rencontre. Et temps mort. Temps mort, exactement, appelé. Parti beau petit du côté de Parti beau petit et Fribourg Olympique, on va à nouveau rassembler tout le monde. Hey.
Thibaut Petit à l'écran ici qui va mettre en place le prochain système de Fribourg Olympique. Bon, Bess, décrypte-nous un petit peu les dessins du technicien belge là sur le banc de Fribourg. Alors là, il est en train de travailler sur la remise en jeu de côté puisque Genève a failli faute anti-sportive, donc automatiquement il va avoir la remise de côté. Et là, de ce qu'on voit sur le la tablette de Thibaut Petit, il demande une passe effectivement sur la tête à 3 points. Et un backscreen de Jonathan Casady sur celui qui fait la remise en jeu. A voir quel résultat ça va donner sur la prochaine remise en jeu de côté de Fribourg. Double stagger pour essayer de ressortir un garçon à 3 points, éventuellement aller cibler un mismatch derrière à l'intérieur. On va voir si les Fribourgeois exécutent bien le plan de Thibaut Petit, élu coach of the year, justement il me le semble, au LCM Awards, notre ami Thibaut Petit qui a mis sa patte tout de suite sur cette équipe de Fribourg après être arrivé, on l'a dit au match précédent, mais les années de Petar Aleksić. Reprendre cette formation et la faire performer à ce niveau, c'est une performance exceptionnelle. Xavier Green, balle en main, pour accroître un petit peu plus l'avantage. Le double stagger, c'était pour Ross Williams. On n'est pas arrivé à sortir ce ballon. Et 4 secondes. Quelle va être l'adaptation exactement? 4 secondes. Joe Casady qui prend un shoot un petit peu casse-coute ici. Le rebond de Brian Cullen et Lyon de Genève qui sont repartis de l'avant avec Robert Zinn. Qui va offrir à nouveau la balle à Brian Cullen. Non, il reste 50 secondes au chrono de ce deuxième quart-temps. Et Noé Labir qui va aller cibler Green dedans. La faute, elle est donnée à Jonathan Casady, même je dirais oui, on va lever la main plutôt que Xavier Green. Et elle va offrir au Lyon de Genève l'opportunité de revenir un petit peu dans cette rencontre, on voit ici, oui. On voit effectivement qu'il lui a pris le bras de manière assez légère, peut-être pour éviter effectivement une faute antisportive comme sur l'action d'avant côté Genevois. Ils étaient trois à pouvoir la prendre cette faute, j'ai l'impression, sur l'action, tellement ils étaient nombreux à défendre exactement la position de Noé Labir de lancer franc. Donc le premier fait filoche. 47-23, il restera 44 secondes au chrono et probablement donc 3 possessions avec le jeu du 2 plus 1, machin, peut-être 4, on va voir comment ça va se goupiller. Les Lyon de Genève qui reviennent un petit peu, enfin, qui reviennent un petit peu à 23 points tout de même de Fribourg Olympique qui met en place cette possession sur demi-terrain. Ross Williams, on donne le ballon à Arnaud Couture, la sortie d'écran posée par Casady, c'est pour Xavier Green qui fait circuler une nouvelle fois, ça circule très très bien de la part Fribourg Olympique au poste bas. Kylian Martin, petit marché. Un petit marché qui, ouais, était, qui avait l'air assez évident. Et il était peut-être même, le coup de sifflet est arrivé tard, mais il y avait déjà dès le départ un petit marché de la part de Kylian Martin sanctionné. Brian Cullen pour mettre en place cette attaque des Lions de Genève et cette dernière possession peut-être. Il restera quelques secondes pour les Fribourgeois derrière. Robert Zinn, il prend l'écran de Noé Labir qui est resté au périmètre. On ne l'a pas servi côté Robert Zinn. On pose à nouveau un écran. La belle coupe de Noé Labir, le pick and roll bien senti. Et on va siffler une faute, je crois, sur Kylian Martin qui est sanctionné. Sur le coup, oui, on le voit pester auprès des arbitres. Kylian ici qui est estimé avoir le ballon. Pas d'accord, mon Bess? Ah, il faudrait revoir le deuxième ralenti là, sur cet angle là. Ah, c'est peut-être difficile. Mais je pense que dans le bénéfice du doute, les arbitres ont voulu donner la faute. Allez, on lui donne la faute. Et puis, dans l'espoir de voir une rencontre, un chouïe plus serré aussi avant de rejoindre les vestiaires. Il va y avoir un nouveau time-out. Le dernier temps mort de Fribourg Olympique. Le dernier de Fribourg, il ne va pas se priver. Il a 9 secondes derrière pour mettre en place quelque chose, Thibaut Petit. Exact. Et on va voir ce qu'il a dessiné avec ses joueurs. Et puis là, Thibaut Petit qui demande une dernière attaque, comme tu l'as dit, avec 9 secondes. Hop, là, apparemment, on cherche un double drag, un double pick dans l'axe. Pardon, à 45 degrés, le deuxième dans l'axe. Donc, à voir quel résultat ça va donner ici. On a vu l'exécution du précédent timeout pris par Thibaut Petit, contesté par la bonne défense des Lions de Genève. Ils avaient quand même fini par aller gratter des fautes sur des lancers sur la ligne. On va voir ce que nous mettent en place après ces deux lancers de Noé Labir pour faire revenir un petit peu sa formation. Lui, le capitaine de ces Lions de Genève en souffrance une nouvelle fois, 47-24. Le premier long en cercle et ça ne rentrera pas.
qu'il arrive, hein, même s'il met celui-ci 25 petits points à la mi-temps, c'est encore une nouvelle fois très compliqué en termes d'adresse et d'exécution offensive. Celui-ci rentre dedans, 47-25 donc, et cette fameuse possession dessinée par Thibaut Petit ici à Saint-Léonard avant la mi-temps, la dernière de ces demi-finales de Swiss Basketball League. C'est Eric Notay, Jean 1 contre 1 qui va jouer. Oh, c'est bien contesté par Markel, shoot extrêmement compliqué et la faute sifflée sur Markel Humphrey. Ah, celle-ci, elle va venir un tout petit peu plus assassiner les Lions de Genève s'ils avaient besoin de ça. Le top scorer, la mobilière de cette formation, regarde Besrat au ralenti, sanctionné d'une faute et donc 3 lancés pour Eric Notage. Effectivement, on voit que Markel quand même tombe un peu sur le coup d'Eric Notage. Donc là, vraisemblablement, effectivement, la faute est justement sifflée, ce qui va donner 3 lancés francs à Eric Notage juste avant la mi-temps et qui pourrait amener potentiellement Fribourg Olympique à 50 points marqués. Il y aura 0-2 au chrono derrière pour les Lions de Genève. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose à faire avec si peu de temps sur l'horloge. Eric Notage, le premier lancé est réussi. On voit juste devant nous, vous ne l'avez pas à l'écran, mais Kylian Martin toujours en discussion avec un des arbitres de cette rencontre. Probablement sa faute tout à l'heure qui avait été sifflée, qui passe toujours pas. Et le deuxième lancé, la deuxième tentative, in and out sur celle-ci pour le top scorer, la mobilière fribourgeois Eric Notage. La dernière qui pourrait donc offrir ses 24 points d'avance à Fribourg. Et ça ne rentre pas non plus. On en restera là pour cette première mi-temps. 48-25 donc pour Fribourg Olympique au terme de ce premier acte. Ils dominent une nouvelle fois les Lions de Genève. 23 points d'avance. On verra si au retour des vestiaires, ils trouvent quelques solutions, nos amis les Lions. Mais en attendant, c'est bien mal embarqué quand même. Ouais, non, c'est clair. Après, à voir maintenant quel visage ils vont montrer sur cette deuxième mi-temps. Est-ce que l'écart va s'agrandir ou est-ce que l'écart va se réduire ? T'as quand même des signes, Bladen Armus est à 4 fautes, on le rappelle, individuel. T'as un avantage dans la raquette qui va être compliqué à exploiter. On verra. De toute façon, on revient d'ici un petit quart d'heure du côté de Saint-Léonard, juste avant de vous quitter la fin du premier acte, également du côté de Nocedo. Et c'est Spinelli Massagno qui mène devant Union Neuchâtel, 41-31 à la pause. Donc là-bas aussi, écart un peu moins conséquent que chez nous. On se donne rendez-vous d'ici quelques minutes. En attendant, on vous laisse avec les images qui vous sont préparées par Actua, les meilleures images de cette première mi-temps, les demi-finales de Swiss Basketball League qui reviennent d'ici quelques minutes. A tout de suite. Je vous rappelle que ce panier est...
Chère mobilière, j'ai été tellement content de recevoir un rabais de prime que je n'ai pas été le seul à sauter au plafond. Les bonnes nouvelles, ça se vit à fond. Grâce au fonds d'excédent, nous partageons notre succès avec notre clientèle.
Et on est de retour ici à Saint-Léonard pour ces demi-finales de Swiss Basketball League. Lors du premier acte, les Fribourgeois ont pris un avantage une nouvelle fois conséquent dans ce deuxième match de cette série puisqu'ils mènent 48 à 25 les hommes de Thibaut Petit. Ils ont montré une nouvelle fois de la domination un petit peu dans tous les secteurs de jeu. Bon, Besrat. Effectivement, on voit qu'ils ont pas mal impacté. Ils ont pas mal impacté les jeunes voix, tant au niveau du tir à 3 points puisqu'ils tournent à 40%, mais aussi dans le jeu rapide. On voit également qu'ils ont sanctionné les jeunes voix sur leurs balles perdues, puisqu'ils marquent 10 points sur leurs 9 balles perdues, et puis que derrière, ils arrivent à se créer 9 points de seconde chance aussi, puisqu'ils vont au rebond offensif. Donc c'est pas mal de secteurs où ils sont plutôt dominants sur cette première mi-temps. Et notamment celui du rebond, on en avait parlé, ces deuxièmes ballons qui ont gratté les Fribourgeois et qui font très bien les joueurs de Thibaut Petit. Tout sourire le staff ici de Fribourg Olympique, à un peu moins de 30 secondes. D'envoi de cette deuxième période, les Lions de Genève très clairement, alors on y croira ou pas, mais ils vont devoir sur ces 2-3 premières minutes de deuxième mi-temps vraiment step up. On les voit ici rassembler les joueurs Dragan Andreevich pour pouvoir revenir un temps soit peu dans cette rencontre là, mettre un tout petit run sur le début de deuxième mi-temps, pardon. Impératif, c'est impératif pour eux pour éviter effectivement un naufrage, parce qu'on sait que Fribourg est d'ordinaire très fort sur les troisième cartons. Donc à eux maintenant de pouvoir resserrer les rangs et puis de pouvoir se créer des situations plus faciles en attaque. La côte est très très haute à mon avis, si tu vois ce que je veux dire. Eric Notage pour relancer à Fribourg Olympique dans cette deuxième période. Nathan Jurkovic qui fait jouer au périmètre. Arnaud Coach défendu par Brian Colon. Au loin, on a donné le ballon à Eric Notage qui vient prendre l'écran. Non, Couture a tout de suite feinté pour être servi au poste. On a bien lu les lignes à l'extérieur. La passe avec rebond, elle n'était pas facile pour Xavier Green, mais tout de suite, s'il fallait ça. Au Fribourgeois, il enfonce un petit peu plus le couvercle sur cette batte déjà bien remplie des Lions de Genève qui vont avoir la chance, l'opportunité pourquoi pas. Et allez, Brian Colon, ça peut faire du bien à ces Lions. Un petit panier à 3 points, montrer qu'on a du répondant aussi côté Genevois et qu'on peut
scorer face à cette défense fribourgeoise. Arnaud Couture bien ciblé ici. Brian Colon qui lève tout de suite la main, sanctionné de cette faute. On arrête le jeu. Déjà, on a pris un peu de cette erreur-là, visiblement, à contrario de la première mi-temps. Effectivement, en fait, faute intelligente de la part de Brian, puisqu'il s'est retrouvé en désavantage avec Arnaud sous le panier. Et là, Eric Notage qui de nouveau part sur un pick and roll dans l'axe avec Arnaud Couture. Malheureusement, la relation entre Couture et Martin n'a pas fonctionné sur cette position. Balle pas rendue au Genevois. La perte de balle, Arnaud dans le trafic qui parvient pas à glisser. Oula, elle est bien loin de Kylian Martin cette passe. Et c'est Robert Dine en face qui va repartir et mettre en place cette attaque genevoise. Et la pression d'Eric Notage toujours aussi importante malgré le troisième carton. Pour mettre une grosse pression sur Robert Zinn. On arrive à sortir avec Noé Anabir, le main à main avec Brian Colon à l'intérieur qui vient cibler et attaquer cette défense fribourgeoise là où l'espace était laissé sur ce côté droit de la peinture et sanctionné. Bien joué de la part de Brian Colon qui marque 5 points consécutifs, ça va lui faire du bien. La belle balle de Xavier Green, servie cette fois-ci dans les meilleures dispositions par Arnaud Couture. Exactement, très belle lecture cette fois d'Arnaud qui se rattrape de sa balle perdue sur la possession présente. Et puis là maintenant, les Genevois maintenant qui essaie de nouveau de retrouver un jeu à l'intérieur avec Paul Gravet qui se retrouve à un avantage maintenant avec Eric Notage sur le panier. Jouer et il va convertir cet avantage Paul Gravet, c'est bien fait pour les Lions de Genève. Allez, qui reviennent un petit peu là à 21 points avec ce nouveau panier de Paul Gravet cette fois-ci et Eric Notage. Qui appelle le main. Système Orantina maintenant retrouver aussi Arnaud sous le panier. Arnaud Couture qui trouve bien Xavier Green, la balle bouge. Martin, ça circule bien et ça arrive dans les mains de Dan Jurkovic qui va exploiter au poste là sur Markel Humphrey, mais bien défendu par Markel, une faute va être sifflée. Markel Humphrey visiblement. Elle est donnée à Markel Humphrey, effectivement cette faute ne semble pas trop contestée, on va le revoir ici. Et là, on sent quand même qu'il essaie derrière, de prendre il peut le ballon. Aller jouer le ballon sur l'interception, non, mais ensuite il a quand même les mains sur les bras du capitaine de Fribourg Olympique, Markel Humphrey, sanctionné par les arbitres. Xavier Green qui fait tourner ce ballon pour Eric Notage, le top scorer à la mobilière. Dans ses œuvres ici et dans ses œuvres à la création notamment parce qu'il sait faire, on se fait bien jouer cette équipe, c'est sa cinquième passe décisive, il avait tout autour d'une première mi-temps à 17 pions, 4 rebonds et 4 assists. Et faute. Et là Xavier Green qui commet une faute sur Ben Colon. Qui estimait être en train de prendre le shoot. Et qui va recevoir un avertissement de l'arbitre. Monsieur Kenny Jean Monod ici pour contestation. Donc la balle sera naturellement rendue au Genevois. Il l'a demandé peut-être en anti-sportif Brian Sissi. Il n'en est rien. Et Kylian Martin qui est venu ici réduire la distance qui le séparait de Paul Gravet. Sanctionné par les arbitres. Il en rigole, il n'est pas d'accord Kylian. On est venu sonner les cloches, j'ai l'impression. Il se relève douloureusement. On voit avec le ralenti quand même Kylian est en retard. Et que sa football à être dehors. Mais malheureusement c'est une faute maintenant effectuée par Kylian, balle sera rendue au Genevois. Et au périmètre c'est Noé Anabir qui en hérite avec Brian Colon. On va porter un écran de nom, jouer au poste sur Kylian Martin. Markel Humphrey qui le joue sur un petit shoot mid-range, c'est bien fait de la part de Markel Humphrey, le vétéran de cette équipe des Lions de Genève, plus de 10 saisons Swiss Basketball League. Markel Humphrey connaît aussi le chemin des trophées, ce qui pourra remettre les Lions sur cette voie-là. On va voir Nathan Jurkovic, ils ont fait circuler et pour l'instant la voix pour ramener les Lions dans ce match est très très loin. À nouveau panier 3 points, 58 à 34 pour Fribourg Olympique et Paul Gravet le main à main avec Brian Colon. Il va lui poser un écran à nouveau au périmètre. On a vu sortir Markel Humphrey demander ce ballon mais c'est bien lu par Nathan Jurkovic qui va n'en pas douter aller poser un gros Thomas en river. C'est la spéciale de Swiss Kenny Fat, Nathan Jurkovic, un nouveau dunk. Qui a 26 pions d'avance et Robert Zinn qui va essayer de faire fondre cet avantage. Non, pas de réussite. Flopping et technique anti-sportive donnée à Robert Zinn. On va le revoir ici. Alors on revoit déjà le dunk, Ramassa. Ouais, je les dunks de Nathan. J'adore avoir ce type de dunk en contre-attaque pour donner effectivement du show au public fribourgeois. Et là, effectivement, Robert Zinn qui se fait sanctionner d'une faute technique à la suite d'un flopping, donc un lancer franc sera à venir pour Eric Notage. Robert Zinn qui s'est donc trop facilement jeté au sol au bout de messieurs les arbitres et qui va d'ailleurs sortir remplacé par Michael Williams. Puisque c'est sa troisième faute. Troisième faute de Robert Zinn qui va devoir laisser ses coéquipiers qui vont avoir bien du mal sans lui à revenir un peu dans cette rencontre. Eric Notage qui remue le couteau à nouveau dans cette plaie et le ballon rentre.
rendu à Fribourg Olympique dans la foulée avec 27 points d'avance. On est sur le plus gros de ce match, si je ne dis pas de bêtises, 27 points. Remise en jeu pour Fribourg Olympique. Et puis là, Norik Tej qui appelle le système freestyle ici, une entrée sur Nathan Jurkovic. Visiblement, ils veulent trouver Nathan Jurkovic au post-top peut-être, ou sur Stagger pour Norik Tej au top. Encore un pick and roll avec Arnaud Couture dans l'axe. Eric Lotej qui va visiblement prendre cette possession à son compte. Ah, il s'est bien ressorti là sur Arnaud Couture, laissé seul à 3 points. Le rebond d'Eric Lotej. Et qui est venu manger Ryan là au duel sur ce rebond offensif. Mais derrière, celui pris par Paul Grave qui partait en transition et qui est sanctionné d'une faute. Là c'est Eric Lotej. On va le revoir ici. Hop, qui a voulu et absolument éviter la transition. Petite faute, on l'a vu, pas comme les jeunes votes alors sanctionnés d'antisportive. Place la main tranquillement. Et visiblement c'est quelque chose qui fonctionne chez eux puisqu'ils sont aucunement sanctionnés de fautes antisportives ou du moins dans des discussions pour des fautes antisportives, donc ça donnera une remise sur le côté pour les Genevois. Et Brian Colonne pour effectuer 61-34 toujours pour Fribourg Olympique. 6 minutes au chrono de ce troisième carton. Et Brian Colonne qui attaque à l'intérieur et ça va ressortir jusqu'à Boris Mbalak. Non, c'est pas Boris, c'est Michael Williams. Le bon rebond des Genevois et de Noé Anabir, le capitaine qui montre la voie ici. Rebond offensif qui pourrait être clé pour les Genevois afin de ne pas rendre les armes si elles ne sont pas déjà rendues trop vite dans cette deuxième mi-temps. Kylian Martin qui tente de rester mobile face à Paul Grave. Il donne le ballon à Nathan Jurkovic. Kylian Martin en poste qui avait pris la position, qui n'est pas servi. Le main à main entre Notage et Arnaud Couture qui lui porte maintenant un écran. Il va le jouer Brian là en 1 contre 1. La faute non pas sifflée de Brian Colonne. Et derrière la belle défense, il est bienvenu en aide. C'est Michael Williams. Sauf erreur, oui, il reste 0,3 secondes maintenant au chrono. Et là, effectivement, c'est un beau contre de Michael Williams qui vient sur le chemin avec Notage. 0,3 pour une Fribourg Olympique sur la remise en jeu. Est-ce qu'ils sont capables d'aller nous... Oh, Nathan, de toute façon, c'était bien long, il semble. Et Brian Colonne, il a vu que trop tard cette opportunité de transition. On l'a vu regarder autour de lui, pas sûr de celui qui devait remonter cette balle. Et ça l'empêche de servir dans de bonnes conditions Boris Mbala qui avait fait une sacrée course. Oui, ça a été bien effectivement touché par, par Arnaud Couture, pardon, qui a bien senti cette course arriver derrière son dos. On voit du côté de Fribourg maintenant des changements avec les entrées de Jonathan Kazadi et Cheikh. On voit toujours l'importance d'un banc aussi large. Ils en ont des options, les Fribourgeois. Et ils en profitent, bien entendu, Brian Colonne pour cette remise en balle du côté remise en jeu. Ouais, il trouve tout très rapidement au périmètre. Noé Anabir, ça fait filoche. Allez, les Lions, ils montrent un petit peu plus. Il va falloir trouver des solutions défensives. Mais en tout cas, offensivement, c'est mieux que ce qu'on a vu sur la première période. Effectivement, parce que là, ils sont quand même beaucoup plus entreprenants offensivement. Ils marquent 14 points en l'espace de 5 minutes, ce qui est quand même un peu plus élevé que sur leur première mi-temps. Et ils arrivent à mettre en place des attaques, c'est le cas aussi des Fribourgeois toujours. Oh là là, les box-out là, qui sont parfaits côté Genevois et sanctionnés une nouvelle fois par Jonathan Kazadi, tout QI des joueurs de cet effectif fribourgeois qui fait la différence. Pour aller faire ces efforts-là, Eric Notage qui est sorti très très fort. Effectivement, il veut maintenir. On voit quand même qu'Eric Notage, il est complet des deux côtés du terrain. Il amène beaucoup offensivement, comme on l'a dit, dans la création, mais aussi dans le scoring. Mais on voit qu'il ne ménage pas ses efforts en défense, notamment sur cette action sur Brian Colonne. Il est sanctionné à juste titre sur Brian. Boris qui annonce le système head des Lions de Genève. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer là-dessus? Michael Williams, le main à main avec Anabir. On est très vite. Brian Colonne servi à 45 degrés, mais sans adresse toujours. Eric Notage qui pousse le ballon ici, peut-être pour encore un autre assist. Malheureusement raté par Xavier Green pour le Alioub. Ils arrivent pratiquement à être deux à se disputer ce rebond. Les Fribourgeois beaucoup plus agressifs que les Lions sur ces prises, cette bataille au rebond. Eric Notage qui va aller attaquer et agresser Brian Colonne là. L'emmener jusque sous le panier, c'est très bien joué de la part de l'international. De l'international donc, mais de l'américain en tout cas, du top scorer à la mobilière de cette équipe fribourgeoise qui donne un peu plus le large à ses coéquipiers. Boris Mbala, le pick and roll joué à deux ici avec Paul Gravé qu'on a vu mais peut-être un peu trop tard une nouvelle fois. On donne le ballon au périmètre. Oh là là, c'est compliqué là. Noé Anabir qui était venu attaquer Cheikh Sané. Il y a eu de la réussite au rebond mais toujours pas sur deuxième chance à pousser ce petit type là à faire finir le ballon dans l'arceau malheureusement pour les Genevois. La grosse lutte entre Paul Gravé et Cheikh Sané, et Paul Gravé sanctionné d'une faute, il ne pouvait pas lui laisser la position là-dessus. Alors on parle beaucoup du jeu en périmètre de Fribourg, mais on voit beaucoup quand même l'activité de Cheikh dans la raquette qui prend beaucoup de place, qui force les Genevois effectivement à mettre ce type de faute. On a parlé des quatre premières fautes
de Mladen Armus en première mi-temps qui a mis les Genevois dans le dur. Mais on voit que Cheikh abat quand même un sacré boulot à l'intérieur pour pouvoir. C'est ça, il est pas forcément demandé à la finition, puisqu'il n'a pas encore ouvert son compteur, si je ne dis pas de bêtises. Mais en revanche, il fait un chantier là-bas dedans, monumental. Eric Notech qui allait attaquer la défense des Lions de Genève. Et une nouvelle fois, on parlait de chantier et d'ouvrir son compteur. C'est Cheikh Sané au rebond offensif, qui lui ne fait pas preuve de maladresse. Time-out tout de suite de Dragan Andrijević. On veut tenter à nouveau de revenir dans cette rencontre, du moins de ne pas dépérir complètement. 67 à 39 pour Fribourg Olympique. C'est ça, premier temps mort maintenant de Dragan Andrijević pour pouvoir stopper l'hémorragie, puisque là Fribourg est sur un run. Et que là maintenant il essaie peut-être de pouvoir proposer des solutions. On va voir ce qu'il dit maintenant durant le temps mort. Encore une fois, il parle des fautes à donner. C'est des choses moins faciles aux Genevois. Et il est littéralement en train de dire qu'effectivement, les rebonds offensifs et les deuxième chance sont en train de tuer gentiment les Genevois durant ce match. Il y a bien des choses qui sont en train de les tuer, même s'ils avaient retrouvé un petit peu d'adresse. Dragan Andrijević qui passe une grosse soufflante à son groupe. C'est un des coachs, on en a un petit peu parlé dans le podcast, mais également ici sur les antennes de Swiss Sport TV, sur la chaîne YouTube de Swiss Basketball, qui est un peu sur un siège éjectable. Forcément, côté Genevois, on a de grosses ambitions. La fin de saison est cauchemardesque, qui a eu énormément de défaites sur les derniers matchs de régulière, et également sur le début des playoffs. Oui, après, voilà, ils ont, je pense, mis beaucoup d'espérance sur cette Coupe Suisse. Je pense que c'était pour eux une grande chance justement de pouvoir gagner un trophée. Maintenant, effectivement, ces deux premiers matchs de la série contre Fribourg en demi-finale sont plutôt difficiles pour l'instant. Ils sont plutôt compliqués. Ils ont été compliqués aussi cette série face au BBC Monté-Chablais. Tu es bien placé pour en parler. Et là, les Lions de Genève, ils tentent avec Boris un shoot extrêmement difficile du parking. Magnifique. Converti par Boris Mbala, qui estimait aussi devoir recevoir. Et ben voilà, il estimait qu'il y avait faute sur lui et sur ce shoot qui devait bénéficier d'un N1. Il l'a fait savoir à Davide Baletta, qui le sanctionne du faute technique antisportive. Évitable là pour les Lions de Genève. Boris, il venait de mettre un très gros shoot. Effectivement, c'était un très gros shoot de la part de Boris. Après, je pense qu'effectivement, il est un petit peu frustré. On va pouvoir le voir maintenant sur le ralenti. Alors là, le ralenti. Il enlève très vite les bannes. Attends, Jurkovic, on n'a pas vu le début de l'action. Eric Notage qui ne convertit pas ce lancer franc suite à la faute technique. Boris qui ne paye pas donc sa petite faute technique. Son petit excès auprès des arbitres. En juger le call de Mister Baletta, et on est reparti pour Fribourg Olympique. Balle dans les mains d'Eric Notage qui va mettre en place cette possession fribourgeoise. Et Genève qui visiblement repart en défense de zone. A priori de nouveau sur une 3-2 ici. A nouveau, mais on vient bien trouver entre les lignes Cheikh Sané et faire circuler le ballon. On va sanctionner les aides forcément en zone, il y en a beaucoup. Mais c'est bien défendu au loin par les Lions de Genève qui vont pouvoir partir en transition, oui ou non. Et Robert Dean. Et il aurait pu prendre ce shoot au final. Ça va être donné à Michael Williams dans de très bonnes conditions. Ça fait filoche pour l'Américain. 67-45. Ils reviennent à 22 points les Lions de Genève. 2-44 au chrono de ce troisième quart-temps. Et Joe Cazadi, la prise à deux. On veut lui enlever le ballon des mains. On a bien fait circuler au loin. Et il demande un écran à Eric Notage que va lui porter Cheikh Sané au périmètre, qu'il n'utilise pas au final. Il fait bien jouer là-bas pour Nathan Jurkovic. Et une nouvelle fois, oh, c'est bien défendu par Michael Williams, qui a fait de vrais progrès dans ce domaine par rapport à la saison passée. C'est clair, il était beaucoup plus utilisé aussi dans un rôle de sniper à Vevey. Mais on voit qu'il a des habiletés effectivement pour défendre. La transition des Genevois qui tourne au fiasco sur cette tentative de alley-oop est tout de suite sanctionnée par les beaux efforts. Ouf. Et là, Eric Notage, on voit qu'il s'est relevé et qu'il a une discussion vive avec Boris Bala. Il n'est pas content, Eric Notage, de cette faute de l'international suisse qu'on va revoir, Bess, à notre écran. Grosse faute estimée à Eric Notage qui ne... Oula. Qui partira pas en vacances avec Boris. Effectivement, il a été plutôt mécontent de la, peut-être la petite claque qu'il a reçue sur la tête. D'accord, alors celle-ci de Boris, à mon avis, et les arbitres sont en discussion, elle pourrait être allée être revue par le trio arbitral parce qu'il lui attrape clairement le museau sur le coup, Boris. Et on sait que ça part même pas quand vous touchez la tête généralement là en descendant les bras. Est-ce que les arbitres vont aller revoir ce call? Au vu des images que nous ça pourrait potentiellement une nouvelle fois que tu as, on se dirait qu'ils feraient bien. Regarde, ce serait potentiellement un call. Ils vont la donner même sans aller revoir, il me semble, cette faute antisportive à Boris Bala. Non,
Alors qu'est-ce qui a été sifflé de la part de Monsieur Tozer? Alors il y a une faute technique qui a dû être sifflée à l'encontre d'Eric Notage qui s'était énervé après ce coup reçu. Thibaut Petit, bien comme nous, ne comprend pas trop. Double P, notre cher Patrick Pembele, avec qui tu as travaillé pendant quelques temps, non plus. Et on va voir, les arbitres ont décidé d'accord. Donc il y a eu une anti-sportive sifflée contre Eric Notage pour sa réaction suite à la faute sifflée sans anti-sportive. Plutôt une faute technique. Faute technique pour Eric Notage. Et Michael Williams qui va tenter aller de ramener ses lions, pourquoi pas, à 19 points. Ce sera son seul lancé. Et maintenant, on va aller de la ligne de l'autre côté. Pour Eric Notage, sur cette faute donc qui a été sifflée de manière classique par le trio arbitral de la rencontre, qu'il envoie sur la ligne de lancer, il est dégoûté. Regardez-le, Eric Notage. Il va tout de même convertir ses premiers lancers francs. Et le deuxième lancer franc maintenant pour Eric Notage afin de passer l'écart à 23 points. À nouveau les Lions de Genève qui se rapprochaient de cette barre des 20 pions et effectivement non, on passera par un 3 de la faute d'Eric Notage qui est pas aidé, arrivé à sortir de sa frustration suite à ce call qu'il estimait injuste, Eric Notage, et qui va sortir 5 fautes avec une 5ème faute puisqu'il a la technique précédemment. Donc 5ème faute d'Eric Notage. Ah, c'est aussi pour les... Alors j'ai envie de dire les Lions de Genève sont encore bien loin, mais c'est un vrai petit coup dur pour Fribourg Olympique de devoir se passer de son top scorer, surtout dans un soir comme celui-ci. Ouais, il est dans un bon soir. Il était dans un bon soir, pardon, Eric. Comme on le disait à plusieurs reprises, à impliquer ses coéquipiers. Maintenant, à voir comment les 12 dernières minutes vont se dérouler sans lui. À voir Eric Notage qui également scoring avait fait un carton en première mi-temps, on le rappelle. 21 points pour lui qui quitte donc ses coéquipiers. Deuxième tentative pour Robert Dine, ça rentre également. Et ça y est, les Lions de Genève sont à cette fameuse barre des 20 points. Peuvent-ils passer en dessous? Peuvent-ils revenir un peu sur cette fin de troisième quart et nous offrir un semblant de fin de match? On va avoir un élément, une partie de la réponse après la possession fribourgeoise. Mise en place ici, c'est Cheikh Sané qu'on veut au périmètre dans cette zone genevoise. Le franc posé par Cheikh Sané à nouveau. Et on sort sur Robico. Très très loin dans ce shoot de Roberto Lovac, magnifique. Et on voit a bien écarté le terrain, le sniper tessinois, et c'était Filoche. Et on voit quand même la grosse force mentale d'Alberto qui sur ses minutes limitées met quand même des gros shoots. Et là, cette faute-ci, elle va être donnée à Paul Gravet, j'ai l'impression, non, à Jonathan Casadi. Il y a un très gros duel entre les deux, ça va envoyer, on le revoit ici, regarde. Avec l'écran qui était déjà passablement dur de la part de Paul, mais on voit qu'ils sont un petit peu... Et donc, Hilbeck, Jonathan Casadi sanctionné. Messieurs les arbitres, deux lancers francs pour Paul Gravet. Sifflé par quelques-uns des supporters ici présents à Saint-Léonard. Lui, l'ancien fribourgeois, ils en ont qui connaissent la maison. Entre lui, Robert et Boris en face, ça fait du monde qui a mis les pieds ici et qui ne trouve pas forcément le chemin du panier comme avant. Ouais, effectivement, ça, c'est pas tellement le cas pour eux. Et là, on voit qu'ils essaient de presser le ballon. Sur la remise en jeu des sables, peut-être pour partir sur une zone presse et partir en zone sur demi-terrain. Et on voit effectivement qu'il reste sur une 3-2 en demi-terrain ici. Et on voit ici maintenant Cheikh Sané aux prises avec Robert Zinn. On s'est retrouvé, Cheikh Sané sanctionné d'un marché, effectivement, avec un gros avantage sur Robert Zinn. Cheikh Sané qui a essayé d'aller l'exploiter, mais sanctionné d'un marché de départ. Alors on le revoit ici, le pied de pivot, le pied d'appui qui bouge. Et Cheikh Sané donc sanctionné d'un ballon perdu, une 14 au chrono de cette halle Saint-Léonard et les Genevois qui vont tenter de passer enfin sous cette barre des 20 à la fin du premier quart-temps, c'est chose faite. Paul Gravet qui permet aussi de revenir à 19 pions, 71-52 pour Fribourg Olympique et une petite minute à jouer encore dans ce troisième quart. Et là le ballon qui va sur Aloïs Lerol ici, qui ressort bien sur Dylan Ducomin pour un tir à 3. Raté malheureusement pour le jeune Genevois ici. Rebond offensif pour Roberto Kovac qui demande un écran ici avec Cheikh Sané ici. Un jeu à deux. Roberto et là une isolation pour Roberto Kovac ici qui a probablement pris le tir. Il est capable sur Matt Deltinger. Non, c'était très compliqué ce shoot. Une nouvelle fois le rebond est fribourgeois. Et le ballon avait touché le cercle. Donc on va aller revoir un petit peu le chrono parce qu'il n'avait pas été remis à 14 secondes. La possession sera rendue aux fribourgeois
avec normalement 14 sur l'horloge. Il en reste 33. Là, les jeunes voient probablement qu'on va tenter un 2 plus 1 derrière, peut-être de prendre un shoot assez rapidement si les Fribourgeois le permettent, pour avoir deux possessions et donc une possession de plus que leurs homologues. C'est exactement ça. Maintenant, à voir effectivement comment ils vont gérer selon les décisions maintenant des arbitres sur les 32 dernières secondes. Mais effectivement, là, sur cette fin de carton, il y a potentiellement un coup à jouer pour les jeunes voix. Qui devraient les Fribourgeois, eux, hériter. On voit la table de marque, notre ami Benoît Raymond. Ils sont en train de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des statistiques, du chrono, etc. Et les deux arbitres de cette rencontre qui, eux, revoient également un petit peu les mêmes choses. Combien on va redonner à Fribourg après ce ballon qui avait touché le cercle. Les Fribourgeois privés d'Eric Nottage, on venait d'en parler. Mais forcément, quand tu perds ton maître à jouer un petit peu comme ça, est-ce que les jeunes voix vont trouver des solutions pour aller faire déjouer? On a vu Roberto Kovac prendre un pic, prendre des shoots un peu compliqués. Eric Nottage, c'est un Akavi. Bon, t'as Joe Kazadi, tu me diras. C'est clair, niveau création, t'as quand même sur le banc de gâchette aussi qui peut mettre en place ton jeu. Dragan Andrejevic, on aperçoit l'image maintenant. Les deux arbitres de cette rencontre. Alors, qu'on veut décider les arbitres maintenant sur cette possession? Ça va être intéressant de voir quel type de décision vont prendre les arbitres. Et puis de voir s'il y a peut-être un ajustement aussi au niveau du chrono général. Peut-être leur gratter une seconde, mais la sirène est retentie très vite, donc les Fribourgeois vont disposer de temps. En tout cas, il y a peu de doute sur le fait que le ballon sera rendu aux Genevois, puisque ça a visiblement touché le cercle sur le tir précédant le rebond offensif à Jonathan Kazadi. Rendu aux Fribourgeois, en revanche. Alors, les arbitres, ça agace un petit peu cette salle de Saint-Léonard. Déjà qu'on n'a pas un rythme bien dingue sur cette rencontre et qu'ils prennent beaucoup de temps là pour prendre une décision. Ils vont l'expliquer à Dragan Andrejevic et à Thibaut Petit. Que s'est-il passé? Ballon rendu avec 12 secondes. Alors, je t'avais dit qu'ils allaient en croquer une, finalement, ces deux petites secondes mangées aux Fribourgeois. Qui en ont donc une douzaine pour essayer d'aller mettre en place une attaque. Et est-ce que eux vont jouer le 2 plus 1 et un shoot assez rapide peut-être, pourquoi pas, de Jonathan Kazadi? Non, c'est bien défendu par les Lions de Genève, on ne pourra pas shooter rapidement. Voilà, Roberto Kovac va dire se lever. Oh, grosse défense de Boris, est-ce qu'il n'avait pas meilleur compte derrière à passer cette balle? Et Robert Dean qui était tombé un petit peu en arrière, le pied sifflé au meneur Genevois. La balle va être rendue aux Fribourgeois et qui hérite là de la dernière possession de ce match. Était bien défendu par Boris Mbala. Robert qui tombe tout seul, j'ai l'impression. Est-ce qu'on pourrait revoir à nouveau cette image de Robert Dean échouant sur le parquet de la Halle Saint-Léonard dans la peinture? Et grosse défense de Boris sur Roberto Kovac. Hein. Grosse défense de Boris, effectivement. Roberto qui avait peut-être meilleur compte à trouver le chemin de la passe sur cette situation. 14 secondes toujours pour Fribourg. Il y en aura 5, 4 et demi derrière pour les jeunes voix pour mettre en place quelque chose. Roberto Kovac, bien joué avec Alois Lerol qui allait prendre ses responsabilités. Bien défendu une nouvelle fois. Il fait des gros efforts de ce côté-là du terrain, Michael Williams. Et c'est alloué pour ce collectif Genevois. Bien contesté une nouvelle fois par derrière Alois Lerol, c'est très bien fait. Balle remise de côté et 4 secondes pour Fribourg Olympique. Essayer de trouver un shoot ici, c'est défendu très fort. Le jump ball, flèche de possession donnée par les arbitres. Et dans ce cas-là, elle sera aux Genevois qui profitent donc d'un peu plus que ce qu'ils auraient eu. 6 secondes pour Genève. On donne le ballon à qui là? Alors on va voir si c'est Robert Zinn qui va prendre le dernier tir. Visiblement ce sera pour Robert. Ici à 3 points. Cheikh Sané, le tir à 3 points extrêmement compliqué. Cheikh Sané lui a demandé de se décaler sur ses appuis. On en reste là donc à l'issue de ce troisième quart-temps. 19 points d'écart toujours entre les Genevois qui sont un poil revenus dans cette rencontre, on va dire, et des Fribourgeois à 71 points qui sont restés muets sur les deux dernières minutes là, 2 dernières minutes 30 il me semble de ce troisième quart qui en tout cas peut scorer Fribourg Olympique après l'absence notamment Eric Nottage étant allé rejoindre le banc. Et on voit ici Dragan Andrejevic, Thibaut Petit, les deux coachs, les deux techniciens de cette rencontre en train de dispenser les consignes à leurs joueurs. Bon, Bess, t'es dans la peau du coach Genevois là, qu'on apparaît à l'écran. Et est-ce que tu crois encore? Est-ce que comment ça se passe avec tes joueurs? Tu pries pour un run? Non, bien sûr, il faut toujours y croire dans cette situation. On voit qu'ils ont quand même réussi sur la fin du carton à stopper un petit peu les Fribourgeois sur leur défense zone cette fois. Et qu'offensivement, ils marquent quand même plus que ce qu'ils ont marqué en une mi-temps dans le troisième carton.
Donc effectivement, ils ont toutes les bonnes raisons encore d'y croire. Mais à eux maintenant de bien commencer le quatrième quart-temps s'ils veulent effectivement pouvoir avoir un match un peu plus serré à la fin. Et on va voir ça, les réponses qui vont arriver très vite puisque les joueurs reviennent sur le terrain. J'en profite pour vous donner un petit coup d'œil sur ce qui se passe du côté du Tessin à Nocedo. Spinelli Bassagno mène toujours face à Union de Châtel, 64-51 pour les hommes de Roby Kubitoza, 71-52 ici pour ce qui se passe du côté de Saint-Léonard. Vous êtes en live sur la chaîne de Swiss Sport TV ou sur la chaîne YouTube de Swiss Basketball pour ce dernier quart-temps, demi-finale de Swiss Basketball League. Les Fribourgeois sont toujours devant de 19 points et espèrent enterrer tout de suite les jeunes voix. Ils ont la possession sur ce dernier quart. Le ballon tout de suite donné par Kazadi à Nathan Jurkovic. Arnaud Couture loin, Roberto Kovac et Ross Williams, seul joueur étranger aligné par Thibaut Petit dans ce 5 pour débuter le quatrième et dernier quart-temps de cette rencontre. Ross Williams ici qui est en train de drive, qui arrive à trouver Nathan Jurkovic pour une extra passe. Roberto Kovac à 3 points ici. Et filage de Roberto Kovac, lui les chemins du filet, il le connaît très bien. Et derrière il estime que Paul Gravé, la bonne défense de Nathan Jurkovic. Roberto Kovac estime que Paul Gravé avait fait preuve d'un écran mobile. On est bien sorti là-bas pour les Lions. Michael Williams à 3 points qui permet un petit peu aux jeunes voix de souffler, de revenir à nouveau à 19 points dans cette rencontre. La presse tout terrain un petit peu là sur Kazadi, on évite qu'il ait réduit le ballon et le gros shoot à nouveau. Il est en train de prendre un coup de chauffe monumental. Roberto Kovac, back-to-back freeze. Et qui est en train de congeler, de freezer complètement ces Lions de Genève. Clim sur clim après le tir de Michael Williams qui semble être le seul à pouvoir créer Nathan Jurkovic, le bloc énorme sur Matt Dentlinger et la transition facilement jouée par les Fribourgeois. Timeout immédiat placé par Dragan Andrijević. C'est bien joué en transition à nouveau. On vient vous éteindre. Vous étiez revenu un peu dans cette rencontre à 19 points. Non, on vous refoule la tête sous l'eau. Et bien comme il faut là, il faut le masque et le tuba pour les Lions de Genève, j'ai l'impression. Ouais, là c'est compliqué, surtout que Roberto met son troisième et son quatrième tir du match à 3 points. Et on sait que c'est sa force principale. Donc à partir de ce moment-là, c'est difficile. On va écouter Dragan Ivanović sur moi. Yuga Kazani, Yuga, how about Dragan Ross? No. You got energy, two guys energy on the court, okay? That's how long game, full stop game. Let's go! No. On va dire Dragan Ivanović qui insiste auprès de ce joueur. Afin de ne pas lâcher prise maintenant dès le début du quatrième quart. Robert Zinn qui a pris la parole également dans ce time-out. Une nouvelle fois, hein, le technicien de ces Lions qui a été fragilisé forcément par les performances durant ces playoffs, cette finale de Coupe Suisse. Également ce qui s'était passé lors du Final Four avec ce comeback qu'il aurait mis dans la tronche en demi-finale les Veuvezans. Les Lions de Genève, une saison extrêmement compliquée et les ajustements faits en cours de route en libérant Clayton Le San qui avait derrière signé avec vous du côté du BBC Monté-Chablé et de Thomas Jurkovic qui s'en était allé jouer et taper les Lions de Genève justement dans ce Final Four chez Vevey Riviera. Ces changements-là, les arrivées de Brian Cullen et de Boris n'ont rien redonné à ces Lions de plus que lors de la première partie de saison. Robert Zinn pour mettre tout de suite en place cette attaque. On a servi au poste bas Mladen Ramus sur Arnaud Couture. Il va une nouvelle fois être poussé sur sa main gauche. Joe Kazadi, la belle interception. On repart en transition. Roberto Kovac. Yes sir. Bang, 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 bang. Roberto Kovac. Cinquième panier à 3 points pour le Tessinois qui est chaud bouillant là et qui est en train de faire très très mal au Lions de Genève. Lui qui est passé également du côté des Lions, je vous dirais, ils sont à peu près tous passés par là-bas. Couture, Jurkovic également, et là les Lions qui viennent cibler au poste avec Robert Zinn. C'était sur Jonathan Kazadi qui vient inscrire 2 points. Ah, Roberto Kovac, ils font mal ces shoots à 3 points, mon best. Ouais, non, c'est clair, et puis on a vraiment l'impression qu'il ne revient pas de blessure, quoi. C'est dingue, parce qu'il est hyper rentable sur ses minutes depuis qu'il est revenu de blessure. Et il en aura, n'en pas douté, un peu plus ce soir, avec le score un peu large, faut siffler. Mladen Ramus, il en aura d'autant plus qu'il est en train de nous faire une vraie performance, Roberto Kovac. 5 combinettes donc du parking, la faute sifflée ici. Mladen Ramus qui est venu un peu trop près sur Nathan Jurkovic, donc sur Jonathan Kazadi, est sanctionné. Il vient réduire la distance entre lui et l'attaquant, justement par les arbitres. Remise en jeu sur le panier maintenant, Roberto Kovac pour le 6ème. Une nouvelle fois, non. Et on a combien de blocs, Michael Williams? J'ai l'impression 3 ou 4 pour l'arrière américain. Performance à souligner défensivement une nouvelle fois de Mikey et on vient servir au poste. Dentlinger
le main à main avec Brian Collon. La prise à deux ici, on le laisse pas créer du jeu. Brian pour lui-même, Noé Nabir qui va devoir en sortie de dribble prendre un shoot extrêmement difficile sur Nathan Jurkovic. Transition à nouveau, est-ce qu'il va aller le servir? Il le sait là. Ah, il l'a servi peut-être pas dans de bonnes conditions, il le savait pourtant. Joe Kazadi qui était chaud, Roberto Kovac, on lui donne à nouveau le ballon. Et là, la faute sifflée. Et elle va être donnée en anti-sportive à Noé Nabir. La troisième faute anti-sportive des Genevois sur ce match. On revoit ici. Au ralenti. Effectivement, on voit clairement Noé en retard. C'est vrai qu'en pleine vitesse, il est peut-être difficile de pouvoir juger si c'est une faute anti-sportive ou pas, mais là, avec le ralenti, c'est clair. Il est avec la main gauche déjà en train de déséquilibrer Roberto Kovac. On le voit bien ensuite avec la main droite. Il essaye peut-être de venir jouer ce ballon, mais il en est tellement loin qu'il est sanctionné. Et quand il faut mettre quelques économies à la banque, Roberto Kovac sur la ligne de lancer franc aussi. Alors c'est très très fiable. C'est clair, il va être probablement à son 17e point maintenant. En un peu plus de 14 minutes. Comme je disais avant, le rapport qualité pas prime, qualité minute est assez incroyable de son côté. Il a une qualité peut-être aussi. Les détails du contrat de Roberto. Et qui n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison. Il vient de revenir et tu l'as dit, en pleine forme, d'ores et déjà. Même s'il a des minutes limitées, l'international suisse. Nathan Jurkovic ici, là, ce qui passe de l'autre côté pour Ross Williams, ouvert à 3 points. Ouh, ça a failli finir au fond. Et même Roberto Kovac vient gratter des rebonds offensifs. Ils sont en train de les oxy-complets, Arnaud Couture à son tour. Non, c'était Nathan Jurkovic, même si c'est sans réussite, ils sont en train. Et oh, Brian Plant qui a échappé le ballon, bien défendu par Nathan Jurkovic à partir en transition. Roberto Kovac à nouveau, est-ce qu'il peut en mettre une sixième? Non. Et le box-out, une fois sur Nathan Jurkovic qui laisse à désirer. On est en train de prendre une vague de deuxième chance côté Lyon de Genève qui va finir par donner un écart encore plus conséquent à cette rencontre, mon Bess. C'est ça, je crois que ça va être leur 16e ou 17e rebond offensif du match. Effectivement. Alors, c'est bien joué de la part de. Oh, mais rien ne marche une nouvelle fois. Et Michael Williams à la finition, malgré la bonne passe, la bonne extra passe de Madden Tinger, on est reparti très vite en transition. Le spin move d'Arnaud Couture, c'est bien fait, qui ajoute de nouveaux points. La barre des 30 pions est passée, 88 à 57 pour Fribourg Olympique, qui va peut-être en mettre même plus que lors de ce match-là. C'est terrible pour les Genevois, sans réponse face aux hommes de Thibaut Petit. Ryan Collin, toujours pas de réussite à la finition. Une faute qui va être donnée à. Elle est donnée à tout sourire, Noé Nabir, mais c'est bien à lui que cette faute d'équipe est donnée ici après le rebond. Quatrième des Lions de Genève. Et sur la prochaine faute, les Genevois vont rentrer en bonus. 3 fautes à 0 pour Genève. Là, donc effectivement, c'est difficile début de quatrième quart pour eux. Puisqu'on voit que Fribourg ne relâche aucun effort et qu'ils veulent vraiment pousser le champ. Je vais te dire une chose, j'ai vu dans les coulisses de cette rencontre. Tu sais, le petit moment où les Fribourgeois se rassemblent toujours au début, Nathan Jurkovic leur disait on peut ce soir vraiment gagner la série, mettre un gros coup encore sur la tête des Lions de Genève, même s'il restera un match du côté du pommier, c'est le cas pour l'instant, ce coup sur la tête. Voilà, l'extra passe de Jonathan Kazadi qui avait tout lu ici, Ross Williams loin, mais on sait aussi qu'il est capable de dégainer de ces distances-là. Xavier Green, il va pas se gêner, non, il fait que le shoot ici, il va prendre ce petit double pas, attaqué de Brian Collon, c'était bien fait, mais sans réussite pour l'Américain de Fribourg Olympique. Et Robert Zinn de l'autre côté qui relance les Lions de Genève. Dentlinger à nouveau sur Nathan Jurkovic, il ne va pas la jouer. Voilà, petite extra passe, il y avait une belle coupe de Boris Bala, mais c'est bien défendu au loin là-bas par Nathan Jurkovic qui traînait avec ses petites mains. Et puis là maintenant l'entrée de Philippe Yenga, l'entrée en jeu de Philippe Yenga du côté Genevois. Est-ce qu'elle est synonyme qu'on a compris là côté Dragan Andrejevic, parce que Philippe n'a pas beaucoup de minutes, que la messe était dite? Peut-être, mais à voir maintenant sur la peut-être prochaine action. Essayer de trouver des solutions pour la prochaine rencontre. Est-ce qu'ils ont déjà beaucoup de joueurs? Est-ce qu'ils peuvent intégrer encore Philippe Yenga? On verra les minutes proposées par Philippe ici sur cette rencontre. Nabir qui fait croquer sur 2-3 feintes, mais c'est bien défendu au final. Oh, avec la planche ici, est-ce qu'elle était appelée, mon best? Non, il ne l'a pas appelée, mais il a ce secret-là de pouvoir mettre ce type de tir. Ce type de shoot en sortie de dribble et les Fribourgeois qui repart de l'avant. Kylian Martin. Jonathan Kazadi à la baguette qui sert à nouveau Kylian Martin qui a bien vu l'extra passe là-bas, mais c'est bien lu par Boris également. Et peut-être un petit peu trop anticipable de la part des Fribourgeois. Ça aussi c'était anticipable de la part des Fribourgeois justement. C'était Genève juste avant. Ah, le rip dans le dos, la petite passe comme ça, il est venu se régaler Jurko. Ça devait finir dans la boîte à caméra, ça dans les highlights de cette rencontre. Ce petit dribble dans le dos. Donc on va revoir, il est magnifique, Jonathan. Il arrive juste à éviter de marcher, Nathan.
et il la laisse échapper un tant soit peu, ce qui lui évite de donner derrière une assist. Et ses coéquipiers ne peuvent pas conclure, mais on en verra tout de même. Puisqu'il y a une faute, Jonathan Cazedi sur cette ligne, 88 à 59 pour Fribourg Olympique. Et l'entrée en jeu des jeunes, l'entrée en jeu maintenant de Ronan Sangwa du côté olympique. Alors est-ce que là ça veut dire qu'on a compris du côté de Thibaut Petit de faire entrer un Ronan Sangwa? Je pense qu'on est un petit peu moins stressé par l'enjeu du match. Et il me semble aussi qu'il est un petit peu moins stressé, Thibaut Petit, de tentative pour Joe Cazedi. Je vous donne un rapide coup d'œil sur ce qui se passe, la situation du côté du Tessin, puisque Union Neuchâtel est revenu, mène 12 à 6 dans ce dernier quart-temps, et est revenu à 5 petits points de Spinelli Massagno, 68 à 63 pour les locaux et les Tessinois. J'aime cette balle de 2-0 là aussi, la sortie de Jonathan Cazedi, applaudi et salué par le public de Saint-Léonard, Dylan Ducommun, qui va finir cette rencontre. 90 à 59, on a à nouveau passé la barre des 90, et j'ai envie de te dire, celle descend. Qui est toujours possible. Et bon, Philippe Yenga qui vient quand même, voilà, vous m'avez demandé de bonnes minutes. Je suis là derrière pour mettre une pression aussi après ce shoot à 3 points converti par Philippe Yenga, jeune joueur des Lions de Genève. Xavier Green qui est venu prendre cette grande Williams et qui ne va pas se gêner en sortie de dérive. Je disais les champions là, 93 s'en rapproche du côté de Fribourg. Et ça c'est une barre très symbolique aussi qui va faire beaucoup de mal aux têtes genevoises avant d'aborder ce Game 3. Mené 2-0, Boris Mbala qui se lève derrière le panier. Noël Abir, il y a eu un bon rebond mais derrière pas de réussite, toujours dans la finition pour le capitaine genevois. Xavier Green qui repart, on voit Kylian Martin, il y a une skip pass là-bas mais elle n'a pas été lue pour... Non, on va aller servir Kylian Martin qui avait le mismatch. Saint-Bois qui prend son propre rebond. Il a bien lu la situation. Kylian, mais c'est libre une nouvelle fois. Doublé Ronan Saint-Bois là, t'en penses quoi sur le coup, les Lions de Genève? Effectivement, c'était un petit peu risqué de laisser Kylian tout seul sur la raquette. Très bien lu par Rodin. Et j'en ai la malheureuse impression, mon baisse. Robert Dean qui repart de l'autre côté. Cette passe, elle est pour Boris Mbala qui sans réussite une nouvelle fois très près du cercle. Difficile pour les Lions de Genève là de venir finir. Ils ont les têtes complètement à l'envers sur cette fin de rencontre. Ils vont revenir à Genève dans la pire des situations. Après deux grands litas reçus ici à Saint-Léonard, 97 à 62 pour Fribourg Olympique. 35 points d'avance, pardon, que dis-je, pour les hommes de Thibaut Petit et Robert pour mettre en place cette attaque avec Noël Abir. Elle a fait du bien au Lyon. Très bien lui effectivement par Robert. C'est que Robert a une faculté à trouver facilement ses coéquipiers sur pick and roll. Très bonne passe Noël Abir pour finir. Et là, la faute genevoise, on refuse l'accès au cercle en commettant une faute très rapide. C'est Philippe Yenga, sanctionné par le corps arbitral, et ça en donnera de lancer en faute. On va sur le direct commun. La petite célébration loin d'Arnaud Couture, Xavier Green qui rejoint le banc, Cazedi également. Et Dylan Ducommun, Kylian Martin, Rodin Sangwa, Ron Williams. Aloïs Lerolle côté Fribourg Olympique. Donc effectivement il y a un line-up un peu plus jeune du côté de Fribourg. Mais on voit que Fribourg ne baisse pas l'intensité, on voit qu'il continue de jouer. Comme tu l'as dit, je crois qu'ils essaient vraiment d'aller chercher la barre des 100 points. Donc effectivement c'est difficile pour les Genevois sur ce dernier carton. Allez, Robertina Maguette avec un pic créé par Matt Denzinger ici au périmètre. Robertin qui peut faire de cette balle, donnée à Noé Anavir. Au loin là-bas, pour Boris Mbala dans le corner, sans réussite pour Boris. Rebond à Louis Lerolle qui part en transition et qui remonte ce ballon. Voilà, n'hésite pas les jeunes joueurs à prendre les responsabilités. Monter ce cuir ici sur demi-terrain. Oh, le screen de Frontinois qui est venu faire tomber Noé Anabir. Ça ne permet tout de même pas à Kylian Martin d'ajouter 3 points. Fribourgeois et Philippe et Yenga pour mettre en place cette attaque genevoise. Et puis là, ici Kylian Martin qui est l'auteur d'une faute. Qui n'a pas trop d'importance puisque c'est la première faute d'équipe sur ce carton pour l'Olympique et qui va donner encore une fois une remise en jeu pour les jeunes. Qu'on revoit ici la prise de position donnée à Nabir. Philippe Yenga de nouveau à 3 points ici. Et il fait filage de nouveau Philippe, il a 2 sur 2 à 3. Bien Philippe, des belles minutes montrées. S'il est fiable en bout de chaîne, il peut avoir son mot à dire dans un Game 3. De toute façon, il va falloir trouver des solutions qu'on n'a pas encore vues côté de voix. Alors pourquoi pas. Dylan Ducommun qui met en place cette possession. Rodin Sangwa au périmètre, bien défendu par Boris Mbala qui avait tout lu là de la part de son ancien coéquipier. Pas de faute sifflée sur Ross Williams qui
qui a pris ce ballon dans les mains de Boris Bala. En transition, Kylian Martin, est-ce qu'il va aller sanctionner Noël et bien relever la main, pas sanctionné par les arbitres. Ross Williams, on lui redonne. C'est joué de la part d'Alois Leroy. Bien lu le jeu. On donne un petit passé tout de suite à Williams pour qu'il aille se positionner en point. Et cette barre des champions franchie par les Fribourgeois, 120 à 67 à Saint-Léonard. 1 minute 1 à jouer dans ce deuxième match des demi-finales contre la bonne défense de Kylian Martin sur Robert Zinn. On ressort la barre loin, très loin sur Philippe Enga, défendu par Ross Williams. C'est ce qui va lui prendre un shoot dessus. On va le voir ici. Non, il perd un peu le contrôle de ce ballon. Il va donner ça tout de suite à Robert Zinn qui prend un shoot extrêmement compliqué. Ce sera avec la planche qu'il avait appelé Robert Zinn. Mais pas de réussite. Boris Lac était tombé dans la lutte au rebond. Mais le rebond de Ross Williams tout de suite en transition. Ah, Robert Zinn pour la petite faute de concentration qui va permettre à Boris d'aller claquer un Thomas. Ici, ouh, Alois Leroy qui avait pas envie et au courage qui a se placé sur cette trajectoire là face à Boris. Il n'avait pas envie de le laisser aller en mettre un facile. Non, puis là on voit Boris aller assez sèchement au niveau au panier. Il y a lui en a pris. Ça va lui donner un lancer supplémentaire. Allez, une tentative. Après ce dunk and one de Boris Mbala. Pour déceler un petit peu cette addition. Malheureusement, elle s'est suivie par Noël Abir. Le petit coup de back et 101 à 71. 30 points d'avance à la presse du terrain des Lions de Genève. Ne parviennent pas ici à récupérer ce ballon. Si finalement, non, toujours pas à l'Oléron. Et un coup de filet de la part de messieurs les arbitres. Toussaint Léonard s'est levé. Et bon, on va faire de même ici sur notre banc de commentateurs. Nous privilégiés en plein centre de cette Alves Léonard pour les demi-finales pour relater ce qui se passe sur ce parquet de Fribourg Olympique Basketball League, les demi-finales toujours en direct sur Sport TV et sur la chaîne YouTube Swiss Basketball. Le trio arbitral en discussion. Et puis là, les arbitres effectivement qui sont en discussion, peut-être par rapport au Renault, de savoir effectivement si peut-être les gens ont utilisé plus que 8 secondes pour traverser le milieu. À voir. Alors, les arbitres de cette rencontre, quelles décisions vont-ils prendre ici? Que se passe-t-il dans cette halle Saint-Léonard? On va revoir les images du corps arbitral qui scrute, vous le voyez là-bas au fond de votre écran, au milieu un petit peu sur la droite, à côté de Thibaut Petit, qui communique toujours avec ses joueurs, et notamment avec Rodin Sangou, qui va rappeler à ses côtés pour lui distribuer quelques conseils. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là avec un jeune joueur quand on est dans la Thibaut Petit? D'abord confus je pense, et puis effectivement de le mettre à l'aise le plus l'aise possible afin qu'il puisse aussi pouvoir apporter ses qualités, puisqu'on voit que Rodin c'est un joueur imposant qui a des qualités à faire valoir, surtout en termes de dureté, en termes d'impact au rebond, donc je pense plus dans ce sens là. Je vous donne un petit côté, je suis d'accord avec toi mon Bess, et je vous donne ce qui est les uns du côté du Tessin, 73-66 pour Massaï, 2 minutes 16 au chrono face à Union Neuchâtel. Un match où Dusan Mladjan a encore 17 points en grande forme. Dusan qui nous fait une saison encore à son âge, le PPR. On avait beau dire en début de saison, il a en défense, il ne propose pas assez, il y a des soucis, machin, mais qu'est-ce que tu veux, c'est encore 15 points de moyenne. Dans les matchs qui comptent, il est là. Une vraie saison de la part de Dusan. Non, c'est clair, on voit que son âge n'a pas d'effet sur son rendement. On voit que sa main est toujours efficace. Et effectivement, ça peut être un tout très important pour Massagno. Si effectivement ils arrivent à passer le cap de Neuchâtel, si après ils arrivent à aller en finale, puisqu'il a une expérience qui est la plus importante, comme je l'ai dit en début de match avec Jonathan Casadi dans ce pays. Alors, Cromain, notre cadreur là, est venu aider ce duo d'arbitres en train de revoir les images derrière leur écran. On va voir quelle décision est prise. C'est une histoire de chrono. Il reste 19 là, sur la potion et 36 secondes en tout. Et on aura mis un petit peu de temps. Alors là, quand t'es les Lions de Genève, que cette fin de match s'éternise un petit peu, que t'es sur le parc mené de 30, t'as juste envie de rentrer à la maison. 15 secondes donc remis sur l'horloge. On a croqué 4 secondes. Chrono, et on va rendre la balle aux Fribourgeois qui
qui mène donc de points 101 à 71. Ils vont avoir encore une ou deux postes là à jouer sur cette fin de rencontre. Et la remise en jeu pour Ross Williams qui s'est trouvé Ben Martin au low post. Pour effectivement noter du punir ici. Il trouve Rodin Sangwa sous la raquette ici. Rodin Sangwa qui malheureusement rate son tir. Rebond Boris Mbala. Probablement la dernière possession du match dans les mains d'Erzin. Le public fribourgeois qui a dit son équipe naturellement. Et qui est resté au bout de ce public fribourgeois. Robert Zim qui est fait circuler avec bien là-bas dans le corner. Un gros shoot mis par Noé qui va ramener Lyon sous la barre des 30 points. Et on ne jouera probablement pas cette dernière possession côté fribourgeois. Boris Mbala qui va aller se coller à Louis Lerolle. Et on aura donc la victoire des fribourgeois dans ce match 2 des demi-finales de Swiss Basketball League. Ils iront à Genève en menant 2-0 face au Lyon. Fribourg, avec les hommes de Thibaut Petit, de Patrick Pembélé notamment, et tout le staff fribourgeois qui ont encore abattu un gros travail et plongent un petit peu plus dans la crise. Les Genevois qui connaissent la deuxième défaite de suite, une troisième consécutive en très peu de temps face à Fribourg Olympique. Effectivement, à voir maintenant quelle va être la réaction des Genevois sur le troisième tour premier ce samedi. Je pense qu'ils ne vont pas se faire sweeper tout simplement. Je pense qu'ils vont vouloir montrer un vrai visage devant leur public et pouvoir prendre une victoire en tout cas contre les Fribourgeois. C'est tout ce qu'on leur souhaite. On ne se quitte pas ici sur les antennes de Swiss Sport TV, chaîne YouTube de Swiss Basketball, puisqu'on aura un joueur de chaque côté, un vainqueur et un vaincu qui nous rejoindra ici au micro. Bon, Bess, je vais te remercier. À bientôt à notre micro ici. Merci énormément pour l'expertise, cette victoire fribourgeoise. J'aurais préféré t'offrir pour ton baptême un match un petit peu plus serré. On a pris du plaisir tous les deux. Ciao mon petit Bess. Merci à toi pour ta réception et ton accueil. Ça m'a fait plaisir de pouvoir commander ce match avec toi. Et puis à bientôt, au plaisir. Merci mon Bess, à tout bientôt. Quant à moi, je vais vous en donner quelques petites secondes, une poignée de secondes. Si le temps qu'on vous passe, les highlights de cette rencontre, l'image toujours proposée par Actua. On reviendra ensuite. Alors d'abord une petite page de pub, me glissons dans l'oreillette et ensuite on revient ici pour la célébration des Fribourgeois et ce titre de MVP à décerner. À tout de suite. Alors on voit Noé Anabir, on aura la petite page de pub après, on ne voulait pas vous couper dans cette remise des prix ici côté de Saint-Léonard. Petite publicité ensuite pour ceux qui ne veulent pas, je vous disais les interviews de chaque côté Genevois comme Fribourgeois seront à notre micro. Et le titre de MVP mis à notre ami Xavier Green. C'est pas souvent que ça lui arrivait cette saison et on voit bien que Ross Williams est extrêmement content pour lui. Arnaud Couture également, le beau check entre les deux joueurs. Les belles images des Fribourgeois qui célèbrent Xavier Green, MVP, meilleur joueur de cette rencontre, salué par son coach et son président également. Et qui va aller chercher sa petite bouteille de champagne, notre ami Xavier Green, auteur d'une prestation solide pour les Fribourgeois avec 16 points au compteur. Second notamment, il a magnifiquement joué sa partition. 20 minutes de temps de jeu seulement, les Fribourgeois qui célèbrent donc cette victoire. Ils iront du côté de Genève en menant 0. Les dernières petites célébrations, petite page de pub donc, et on se retrouve avec un joueur genevois puis un joueur fribourgeois à notre micro. A tout de suite. Alors que Nathan va me rejoindre ici à notre micro pour évoquer la fin de ce match et la victoire des Fribourgeois. Salut Nathan, on va regarder de l'autre côté, la caméra est là-bas, c'est bon, les fils sont bien mis en place. Donc on est avec Nathan Jurkovic, joueur et capitaine de ce Fribourg Olympique.
Olympique, j'imagine, satisfait après cette victoire 101 à 74 pour Fribourg Olympique, qui mène 2-0 et qui va aller au pommier avec une première balle de match. Bah, c'est sûr, on est très satisfait. On a fait ce qu'on devait faire, on savait qu'ils allaient vouloir venir pour jouer, parce qu'on a vraiment mis une grosse fessée au premier match. Donc c'était à nous aussi de venir comme si on n'avait rien fait au premier match, comme c'était le premier match. Et c'est ce qu'on a fait, on a commencé avec un 10-0, 11-1, juste comme ça, je ne sais plus trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on les a tout de suite étouffés. Et un 15-1, tu le mentionnais justement, dès ce début de match, qui leur a remis la tête sous l'eau. Eux qui avaient déjà plein de doutes, j'ai envie de dire, après cette finale de Coupe Suisse. Après être allé en Game 5 du côté de Monté, après cette première rencontre face à vous ici, c'était déjà à Saint-Léonard. Ça va être quoi là, donc vous avez un petit peu de temps pour préparer cette rencontre. Et très rapidement, on va se projeter tout de suite sur ce Game 3, la balle de match. Et l'objectif d'aller tout de suite en finale, d'essayer d'attendre un petit peu tranquillement, non, mais d'attendre en face Bassagno ou Union Neuchâtel. Bah nous, notre tactique, je pense qu'on l'applique très bien. On va garder la même chose. C'est ce qu'on fait depuis des saisons. C'est la défense, la défense, la défense. Et on voit, je crois qu'à la mi-temps, ils sont qu'à 22 points. On rate un peu notre 3 quart, mais on garde quand même le mental, on garde la tête. Et puis, c'est grâce à ça qu'on gagne de nouveau un match à peu près 30 points. Merci, mon Nathan. Avec plaisir, on se dit à tout bientôt. Bon repos et puis on se voit pour le match 3. Merci, merci. Ciao. On va accueillir Brian Colonna qui attendait juste derrière nous, le joueur des Lions de Genève, Brian, qui met son casque. Alors ouais, j'imagine, au contraire de Nathan Jurkovic, qu'on vient d'avoir à notre micro, forcément de la déception ce soir. Vous avez peiné une nouvelle fois, un petit peu comme lors de ce Game 1, à trouver les solutions face à une équipe de Fribourg qui a mis une intensité une nouvelle fois hors du commun. Bon, la première chose que je souhaite dire, c'est désolé au club de Lionel, aux supporters, à la ville, parce que je pense que le résultat ne ressemble pas à ce club, ne ressemble pas aux joueurs qui sont passés par le club, qui défendent les maillots de ce club. Donc vraiment, je tiens à m'excuser. Ensuite, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On reproduit exactement le même match qu'on a reproduit il y a 3 jours ici. Ils nous sautent à la gorge, je m'excuse du terme. Ils nous dénaillent surtout, nous on n'est pas prêts, on n'a pas j'ai l'impression qu'on n'a pas de plan de match, on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on souhaite. Et c'est difficile quand tu es un peu livré à toi-même, faire les choses comme ça, jouer contre une équipe aussi forte, aussi organisée, aussi prête que Fribourg, ça ne pardonne pas. Et on le voit depuis 2 matchs que ce n'est pas possible. Tu as parlé de ce plan de jeu que vous semblez ne pas trouver, notamment. On voit bien que l'alchimie entre tout le groupe, le coach de cette équipe des Lions de Genève, Dragan Andrijević, ça n'a pas pu prendre. Vous avez construit ce groupe finalement assez tard sur la saison, puisque tu es arrivé en compagnie de Boris pour remplacer des joueurs qui avaient été coupés. Et finalement, on n'a pas trouvé les solutions. Est-ce qu'on n'a pas eu le temps côté Lyon de Genève? On va en manquer cruellement. Là, les Fribourgeois arrivent avec une balle de match. Et pour l'instant, comme tu l'as dit, le plan, on ne voit pas trop où ça donne. Il n'y en a pas, tout simplement. Il n'y en a pas. Mais surtout, et également défensivement, il y a des vrais problèmes. En attaque, en défense, surtout en défense, on n'a pas de plan de match. Après, quand on traverse une période comme celle que l'on est en train de traverser, il est facile de pointer du doigt les autres, donc je ne vais pas le faire parce qu'on est tous responsables, on est tous des joueurs professionnels. Le club s'efforce de trouver des moyens, qu'on ait des bonnes conditions. Mais voilà, je pense qu'à la fin de la saison, tu m'excuses de me projeter déjà pour la fin de saison, je pense que les choix devront être faits si on veut avancer, parce que je pense qu'on a des beaux joueurs, des joueurs qui, par séquence, on a montré qu'on était en train de construire quelque chose. Après, franchement, je ne vais pas m'exposer ici, mais c'est dur pour nous, pour le club, tout le monde, enfin. Mais voilà, il y a un grand match, ce n'est pas une question de basket, je pense samedi, c'est juste une question de fierté, une question de bien figurer devant notre public à Genève, parce qu'il mérite le meilleur et il mérite que ses joueurs, notamment nous, donnons tout pour ce maillot. Merci Brian, bon retour, et puis c'est tout ce qu'on vous souhaite pour ce match. Ce sera samedi prochain du côté du pommier, où effectivement on attend une réaction de votre part. Ciao mon loco. Ciao.
Allez, moi je vous abandonne ici du côté d'un Léonard avec les images de cette rencontre et donc la victoire des Fribourgeois qui auront cette balle de match du côté de Neve et du Pommier. Ça sera samedi prochain à 17h30. Prenez soin de vous et à samedi prochain. Ciao, ciao. Cher mobilier, j'ai été tellement content de recevoir un bête de prime que je n'ai pas été le seul à sauter au plafond. Les bonnes nouvelles, ça vit à fond. Grâce aux excédents, nous partageons notre succès avec notre clientèle.